Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce 130e numéro de Nouvelle Vague. J'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui, mais pas de soucis. Il y a des invités déjà qui vont parler, qui vont soulager un peu tout ça. Et j'ai même un petit pot de miel, voilà, pour tenir le coup au cours de l'émission. Merci à tous d'être si nombreux. Ça va être une très, très, très grosse émission. Donc du coup, on va partir immédiatement. Installez-vous confortablement, comme d'habitude. On a vraiment du très lourd qui arrive avec notamment Pauline Condomine qui sera avec nous, cette journaliste infiltrée au cœur de l'extrême gauche. C'est le titre de cet énorme dossier. Hein. Elle a fait 80% du numéro de livre noir à elle seule. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. On va la recevoir dans quelques minutes. On a beaucoup de choses à voir, donc c'est parti. Juste, je fais un petit point avant d'accueillir Hermine dans quelques instants sur donc, les dernières vidéos publiées sur la chaîne. Il y en a une qui a beaucoup, beaucoup marché, c'est celle sur l'action des Némésis à Nantes, avec notamment l'interview de Mélissa, près de 50 000 vues, donc ça fait plaisir pour une vidéo qui est très punchy, où on voit Mélenchon qui pète les plombs littéralement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir. Et puis, il y a pas mal de petites vidéos qui ont été publiées, notamment une autre sur Némésis qui fait vraiment du très bon boulot. On aura l'occasion peut-être d'en reparler au cours de cette émission. Et puis, la dernière en date, je l'aime bien celle-là, je me suis amusé à la tourner, même si ma voix était au bout du bout. Les LGBT communistes complètement dingues qui sont solidaires des Palestiniens. Donc je vous explique un peu dans cette vidéo en quoi c'est de la folie totale. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et puis, juste avant que j'oublie, parce que je pense que c'est important, vous le savez, je mets en avant des artistes autant que je peux. Et il y a une artiste que vous connaissez peut-être bien qui s'appelle Laurane, que j'ai eu l'occasion de revoir récemment. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec elle. On aura l'occasion d'ailleurs de travailler ensemble à nouveau, parce qu'on travaille déjà ensemble. Mais je vous encourage vivement à regarder ce qu'elle fait. Ce sont des gravures qui sont vraiment magnifiques. Et je suis retombé dessus. Donc voilà, du beau pour commencer cette émission. Avant des choses peut-être un peu moins reluisantes qui vont arriver. Regardez ces gravures absolument magnifiques qu'elle fait. Notamment ici Minas Tirith. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous reconnaîtrez immédiatement ou encore ce magnifique Prométhée qui est tout simplement superbe. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc je vous encourage à aller voir tout ça. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui regarderont en rediffusion, et sinon je vais vous mettre immédiatement le lien de sa boutique dans le chat. Voilà. Écoutez, les amis, sans plus attendre, on va accueillir immédiatement Hermine. Salut, Hermine. Ah, je ne t'entends pas, Hermine. Ton micro n'est peut-être pas branché. Je crois que c'est bon, là. C'est bon. Parfait. C'est moi qui dois perdre ma voix aujourd'hui. Ce n'est pas toi, surtout pas, sinon on est mal barré. Ça va faire beaucoup. Bon, les amis, Hermine nous a rejoints. On va recevoir du beau monde. J'espère que tu es en forme, Hermine, aujourd'hui. Ça va. Ma voix, ça va, donc le reste Bon, ouais, franchement, je t'ai envoyé le programme. Je peux vous dire que là, les amis, vous êtes devant votre écran, vous allez vous régaler. Juste avant de passer sur le programme qu'on avait envisagé, quand même quelque chose de l'actu. Hein. On a cette info qui est tombée aujourd'hui. Éric Zemmour qui devait se rendre à une conférence à Bruxelles avec notamment Nigel Farage, donc le leader du Brexit au Royaume-Uni, et Viktor Orban, Premier ministre hongrois en exercice, s'il vous plaît, hein, c'est juste un grand chef d'État européen. Et cette conférence qui a été bloquée, vous voyez l'entrée qui est bloquée par les policiers sur ordre du bourgmestre socialiste Emir
Kir, est-ce que tu as suivi un petit peu cette histoire, Hermine, ou pas du tout? J'ai suivi de très loin. J'ai vu le tweet de Viktor Orban cet après-midi qui disait, il me semble que on n'avait plus interdit on lui avait plus interdit de faire des réunions politiques comme ça depuis, je crois, 88, quand les communistes l'empêchaient de parler. Et donc voilà, et qu'il ne se tairait pas, évidemment. C'est scandaleux, mais bon, c'est la Belgique. Hein, je pense que malheureusement pour nos amis belges. C'est l'un des rares points ou pays où on est presque avantagé par rapport à eux. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. D'ailleurs, on en a parlé, je crois, une dernière émission. Qu'est-ce qui est pire entre la France et la Belgique? Bah, ça se vaut. Ils sont quand même costauds. Avec quelque chose qu'il faut quand même relever, c'est que le bourgmestre l'assume complètement. Hein. Il dit pour garantir la sécurité publique là dans son tweet, mais en fait non. C'est clairement, il le dit d'ailleurs à la fin de la deuxième partie de son message, l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Voilà. Je bug simplement sur le bourgmestre Emir Kir. Ouais. Bah, le problème, c'est que c'est un bourgmestre qui n'est pas un autochtone européen a priori et qu'il serait proche des mouvements radicaux turcs. Voilà, donc je... Bon, si, voilà, il est des mouvements... pacifiste et modéré turc, s'il en existe. Sinon, ça me semble une précision superflue. Mais ouais, c'est assez scandaleux. Je pense que une différence assez notable entre la Belgique et la France au niveau de la manière dont ils gèrent l'immigration et notamment ces dérives-là, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est en France. Moi, j'ai vécu 4 ans en Belgique, ouais. À Bruxelles, et c'est quelque chose qui, je trouve, est assez présent. Et en fait, on parle beaucoup de la force de l'État français. Et on est un État effectivement très centralisé, très fort. Alors ça a beaucoup de désavantages, mais ça a également des avantages, et ça a aussi des avantages. Et il se trouve que en l'occurrence, l'État belge semble un peu inexistant face à ce genre de choses. C'est fou. Il y a un pouvoir délirant de la gauche. Hein, Ce qui est vraiment dingue, c'est que là, pour le coup, on a l'explication de ce qui se passe. Une fois que les islamo-gauchistes, parce que c'est ça dont on parle, hein. Il y a le côté gauchiste, bien entendu, et comme je le disais, le gauchisme au fond du fond, ça arrive au communisme, hein. Viktor Orban d'ailleurs en a parlé, ils connaissent bien les Hongrois, mais il y a aussi le côté, comme le disait Éric Zemmour d'ailleurs dans son tweet, le côté califat, parce que là on est sur de l'islamo-gauchisme. Donc c'est ça, la fin du gauchisme. C'est le califat, c'est l'interdiction, c'est la dictature islamique, quoi, islamo-gauchiste. Il faut quand même se rappeler que quand on voit ça, je pense que beaucoup de gens oublient, parce qu'en fait, on a tellement ce genre d'informations, ça devient presque anecdotique alors que ça ne devrait pas. Mais en Belgique, et notamment à Bruxelles, il y a de ça à peine quelques mois, 7-6 mois, je pense, même pas, il y avait littéralement un terroriste qui se baladait dans tout Bruxelles pendant plus d'une nuit, pour tuer les gens à bout portant, comme ça, de bout à bout de la ville. Moi, je me souviens, parce que j'ai quand même des amis à Bruxelles qui y habitent, etc. Et on voit ça, et le bourgmestre qui explique que l'extrême droite n'est pas la bienvenue pour des réunions politiques avec des chefs d'État. Mais par contre, effectivement, on se demande un peu où est le deux poids. C'est un peu du deux poids, deux mesures permanent, quoi. Ouais. Bon. Ouais, je suis d'accord. Je crois que je frise un peu à chaque fois que je bouge la fenêtre. C'est un peu embêtant. J'espère que ça se voit pas trop, les amis. Mais j'entends bien, j'écoute bien. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Voilà, c'est complètement fou. Donc, on commence par là. C'est un peu l'actu qui veut ça. Mais c'est le futur de la France et de l'Europe si jamais nous ne faisons rien. Voilà. Donc, c'est à la fois édifiant, mais en même temps motivant. Parce que c'est ce qui nous attend, au fond, à la fin, c'est la prison. Autre actualité avec laquelle je trouvais intéressant de commencer cette émission, c'était il y a 5 ans, l'incendie de Notre-Dame, avec ces images de gens en pleurs, touchés face à cet incendie très violent. Alors d'ailleurs, j'ai peut-être évité de trop mettre les images, parce que sinon la chaîne va... Lina va réclamer des droits. Hein. C'est normalement un service public, mais bon, ils réclament des droits sur leurs images. Ton sentiment par rapport à ce triste anniversaire, Hermine? Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai vraiment un souvenir de cette soirée. Moi, je me souviens très bien de cette soirée-là. Je pense que ça fait partie des événements marquants, comme on se souvient des gens, pas de ma génération, mais les gens se souviennent du 11 septembre, ils se souviennent du Bataclan. Et moi, je me souviens effectivement de Notre-Dame. Je me souviens de. Je pense que ça a été un gros facteur de.
de droitisation pour moi. J'ai en souvenir un tweet de Sia Masbag. Et d'ailleurs, je suis toujours bloquée de cette époque par Sia Masbag parce qu'elle avait fait un tweet abject en disant, en gros, c'est bon, c'est qu'un bâtiment, je ne sais pas quoi, on ne voit pas machin. Et je crois que je l'avais cité ou je lui avais répondu sur Twitter en lui disant, mais s'il y a bien une chose qui prouve que vous n'avez de français que votre adresse postale, c'est bien votre réaction à cet incendie. Et je me souviens des personnes issues de l'immigration qui ricanèrent. Il y a des fameuses photos où on voit Notre-Dame brûler, les gens très touchés dans la foule devant, et des personnes issues de l'immigration qui ricanent et qui rigolent et qui sont morts de rire. Tout à fait. Voilà, donc il y avait un contraste très saisissant civilisationnel ce jour-là. Et 5 ans après, déjà, elle n'est pas totalement reconstruite. Et même s'il y a un très beau travail qui a été fait par les artisans, notamment, il me semble, les charpentiers, donc ça, c'est quand même appréciable, il reste quand même encore un peu de ça. Et on avait parlé, il me semble, du fait que les ouvriers ici sont majoritairement européens. Autochtones. Et ça m'a fait péter un câble aux immigrés de Twitter qui disaient mais où sont les ouvriers maliens, etc. Et bien visiblement pas à reconstruire Notre-Dame et à faire une charpente en bois sublime. Voilà. Et l'enquête n'a pas avancé d'ailleurs. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que note Laurent Berton. 5 ans et on ne sait toujours pas. Alors c'est vrai, bon, moi je lutte un peu contre le complotisme délirant de certains, à droite comme à gauche d'ailleurs, il y a du complotisme à gauche aussi, mais c'est vrai que quand même, on se pose des questions, quoi. Sachant que Notre-Dame s'était ciblée par des islamistes, hein. Donc je pense qu'on ne saura jamais. Après, faut aussi avouer que ça doit être une enquête qui est sans doute dure à mener, j'imagine, parce que les traces matérielles dans l'incendie, bon, ça a dû disparaître, hein, j'imagine. Mais c'est bizarre, on va dire, qu'on n'ait pas plus d'explications que ça. En tout cas, c'était vraiment un événement qui avait marqué toute la France. Et effectivement, on avait même vu des prières de rue, des chants, des gens qui pleuraient. Alors, pas des catholiques, hein, mais des gens normaux, en fait. Et à côté, ce monument qui symbolisait un peu, peut-être pour tous, inconsciemment, cette France qui disparaît ou qui est en train de s'effondrer aussi et qu'on doit se battre pour relever. Mais en tout cas, c'était un grand événement. On est presque dans les temps. Parce que là, je regarde, j'ai un minutage qui est costaud. Franchement, on est presque dans les temps. Donc, on va se faire un petit mensonge médiatique là, qu'on a vu dans l'actu. Hop. Ça, c'est assez costaud. J'ai présenté pendant longtemps l'émission Immédiat sur TVL avec Jean-Yves Le Gallou. Et le but, c'était de relever les mensonges des médias. Alors, il y en avait un paquet hein, chaque semaine, donc on avait de quoi faire. Et là, c'est assez costaud. C'est un mensonge, un bobard typographique ou syntaxique, je ne sais pas comment on dit. Tout simplement parce que quand on regarde le Dauphiné, qui évoque cette fameuse pancarte brandie par Yona qu'on a reçue la semaine dernière, où il était marqué « violeurs étrangers dehors », avec la virgule « après étrangers », là, pour le Dauphiné, il y a une virgule qui vient s'inviter avant étranger, ce qui fait violeur et étranger dehors. Donc ça, c'est quand même costaud ton regard sur ce mensonge médiatique du Dauphiné. C'est évidemment un vrai mensonge. Je peux pas croire une seule seconde que il soit autre chose qu'un vrai mensonge. Je pense que c'est pas du tout une erreur, c'est pas une interprétation, c'est vraiment un mensonge prémédité. Je trouve que le ton d'Alice est très juste quand elle dit « vous avez la matinée pour modifier votre article, sans quoi je serais contrainte de vous mettre en demeure », je trouve ça extrêmement juste et je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut leur parler. Et d'ailleurs, comme je dis, je crois qu'on le voit en commentaire, et là, c'est toi. Ils disent Anne Migaud a déposé plainte pour le cyberharcèlement dont elle est victime depuis l'action. Et en fait, je trouve ça scandaleux parce qu'en fait, elle porte plainte pour cyberharcèlement, mais pour le moment, la justice n'a pas tranché. Tout à fait. Un journaliste devrait parler au conditionnel pour le déposer plainte pour le cyberharcèlement dont elle serait victime, dont elle dit qu'elle va être victime. On ne peut pas parler comme ça, c'est scandaleux. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir, mais ça ne saurait tarder parce que je ne vois que des nouvelles
très positive dans le monde journalistique. J'ai vu qu'il me semble que Marianne allait être bientôt à vendre, car jugée comme trop souverainiste. J'ai vu que M. Sterrin et M. Bolloré étaient potentiellement intéressants, parce que c'est ce qu'on lit dans la presse. Il y a eu le JDD, Valeurs Actuelles, CNews, Europe 1, le monde de l'édition de plus en plus grâce à Bolloré également. Voilà, je pense que tout ça ne serait tardé, mais je pense que les journalistes devraient penser soit à une éventuelle reconversion professionnelle quand ils se comportent comme les journalistes du Dauphiné, soit au moins, à défaut de rejoindre nos idées, au moins avoir un code de déontologie et simplement arrêter de se comporter comme des malfrats, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, tu as raison de relever ça. Il y a un double bobard, en fait, enfin, double manipulation médiatique. C'est assez insupportable. Et une simple virgule, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut tout simplement être l'emprisonnement derrière. Donc, c'est absolument dégueulasse. Surtout que derrière, il faut aussi dire quelque chose, c'est que les journaux, les médias, ils ont un rôle de dingue. C'est-à-dire qu'ensuite, sur Wikipédia, pour justifier d'un événement, enfin pour voilà, on s'appuie sur des articles de presse. Donc, du coup, ça veut dire que là, aujourd'hui, un militant gauchiste bien vicieux, il peut s'appuyer sur cet article du Dauphiné pour dire « Regardez, Yona de Némésis ou Némésis, action raciste parce qu'il stigmatise spécifiquement les étrangers. » Et c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est horrible. Alors, chose qui est quand même positive, c'est que les Némésis, et notamment Yona, elles redoublent d'efforts. Regardez-les, elles sont ici avec Anaïs, toutes les deux dans Paris, à rebrandir les pancartes de la Discord. Donc, bravo, bravo à elles. On les a vues un peu partout, effectivement, au Trocadéro, là, ici. Se pavaner avec ses pancartes, donc ça fait plaisir. Là aussi, ces filles-là, elles nous donnent espoir. Voilà. Il y a des signes qui montrent quand même que les gauchistes ont un peu de soucis à se faire. Ce genre de choses qui seraient passées comme une lettre à la poste il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne passe plus. Eh bien, écoutez, les amis, on va passer à une actu. Alors là, pour le coup, c'est assez costaud. On va parler dans quelques instants avec Stanislas des Natifs qui va arriver là. On va parler du Bataclan. On a parlé de Notre-Dame récemment, lieu emblématique en France. Le Bataclan, lui aussi, l'est devenu depuis, évidemment, le terrible attentat islamiste commis par des islamistes et des gens arrivés via l'immigration légale ou illégale en Europe. Et Yacine Bellatar, qui pourrait bien se retrouver au Bataclan. On en parle tout de suite. J'accueille Stanislas. Salut Stanislas. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Bah, pas de souci, Stanislas, tu es membre du collectif Les Natifs. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce collectif rapidement, s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Stanislas, j'ai 23 ans, je suis étudiant en finance et du coup je suis parisien de naissance. Les Natifs, c'est un groupe communautaire et identitaire parisien qui a été créé il y a quelques années et dont je suis membre depuis à peu près un an et demi, 2 ans. Et donc, on a remarqué cette actualité concernant Yacine Bellatar qui souhaitait se produire au Bataclan, ouais. Ce qui nous a profondément choqué. D'abord, j'aimerais faire quelques petits rappels sur Bellatar pour qu'on comprenne un peu qui est le personnage. Yacine Bellatar, c'est un pseudo-humoriste qui est en fait un militant politique et qui pratique une sorte de taqiya islamique sous couvert d'humour. Donc, il camoufle son discours politique dans ses spectacles. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo qui tourne, on peut voir que par exemple dans ses spectacles, il demande à son public de crier « Allahu Akbar ». Il a un gros passif, Yacine Bellatar, parce que une des affaires les plus connues en 2019, il avait fait partie des co-organisateurs de la marche avec le CCIF contre l'islamophobie, qui a été le CCIF dissous pour, je cite là, Gérald Darmanin qui dit que c'était une officine islamiste qui œuvrait contre la République. Ouais. Et donc, notamment cette marche, ils ont chanté à la Wakbar à quelques mètres du Bataclan. Le Bataclan, du coup, qui a quand même accessoirement connu 90 morts en 2015 au cri d'à la Wakbar. Donc, ça nous a profondément choqués, d'autant plus que Yacine Bellatar, il a également... Je me permets de t'interrompre, mais tu dis nous, ça nous a choqués, mais ça a choqué tous les gens normaux. Hein, c'est-à-dire que c'est inacceptable d'entendre ça dans Paris avec Bellatar, qui est vraiment un mec qui en plus, a un discours très offensif contre la France tout simplement, contre les Français qui veulent défendre leur identité, contre les Français patriotes, c'est incroyable. Bref, je t'ai interrompu, mais tout le monde est choqué, quoi. Vas-y, continue. Ben justement, et donc tout le monde est choqué, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas au courant de ça.
Ouais. C'est-à-dire que c'est une info qui passe un peu à la trappe. Et donc nous, on a lancé hier cette grande campagne contre la venue de Yacine Bellatar au Bataclan, ne serait-ce que par respect pour les Français qui ont été tués là-bas au cri d'Allahu Akbar. Et donc pendant cette campagne, on va faire des choses assez classiques qui vont viser à sensibiliser l'opinion concernant ce spectacle, donc des campagnes d'affichage, de tractage, et également on se réserve le droit de faire n'importe quoi pour faire annuler ce spectacle. Okay. On réfléchit aux différents moyens d'action qu'on pourra mettre en place, et donc le but c'est que vraiment ce spectacle soit annulé, et donc je demande à toutes les personnes qui nous regardent ce soir de communiquer, de transmettre cette information, parce que c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est encore assez invisibilisé. D'accord. Les personnes qui sont complètement normales sont choquées, mais en même temps, elles ne sont pas au courant que cet événement a lieu, et donc il faut absolument le relayer et montrer que on est tous indignés par sa venue au Bataclan le 15 juin prochain. Ouais, je suis d'accord évidemment avec ça. Hermine, ton regard un petit peu sur cette affaire et sur cette mobilisation des natifs contre la venue de Yacine Bellatar au Bataclan? Moi, je soutiens totalement l'action des natifs, pas uniquement d'ailleurs sur ce sujet, mais en fait, je le trouve insupportable et je pense que c'est une manière de conquérir, c'est un acte symbolique. C'est pas un hasard si Yacine Bellatar veut se produire au Bataclan, à mon avis. C'est pas non plus un hasard si Medine, à l'époque, voulait se produire au Bataclan les attentats. Ce sont des petits gestes. J'ai envie de comparer ça à un autre petit geste qu'on peut retrouver dans des communautés, pas forcément exactement les mêmes, hein, c'est pas tout à fait ce que je dis, mais par exemple, ça va être de construire les bâtiments religieux et notamment les minarets, toujours légèrement au-dessus des clochers des églises, par exemple, ou du haut des synagogues, ou du haut de tous les autres bâtiments qu'on peut retrouver religieux. Mais voilà, il y a des actes symboliques comme ça, et je pense, en tout cas, je pense qu'on peut s'interroger là-dessus, sur la motivation de Yacine Bellatar, comme il est tout à fait légitime de s'interroger sur les motivations de Medine, qui lui également, comme beaucoup d'autres, est un musulman très proche des associations fréristes, qui a un discours sur le djihad particulier. Ouais. Et voilà, et je pense qu'il faut absolument que ce soit interdit. Je ne me souviens plus si Medine... Ça avait pas pu se faire, hein, Medine au Bataclan. Ça avait joué, mais c'était presque encore pire, parce que Medine, pour le coup, c'était vraiment un militant islamiste encore plus assumé que Bellatar, parce que Bellatar, il a le côté un peu quand même musulman à la carte, on va dire, en théorie. Mais Medine, c'était vraiment un gros musulman. Et il avait fait un son qui s'appelait Bataclan, après les attentats du Bataclan, et dans lequel il ne mentionnait jamais ce qui s'y était passé. C'était un truc de dingue. Enfin, moi, j'avais écouté le son, je m'étais dit, mais à aucun moment il fait référence même à un drame de manière complètement distante. Non, pas du tout. C'était juste moi, quand j'étais petit, je voulais jouer au Bataclan. Je voudrais rebondir là-dessus. Stanislas disait très justement que Yacine Bellatar était présent à la manifestation du CCIF, qui aujourd'hui est le CCIE et qui, je crois, a maintenant son siège plutôt en Belgique, etc. On n'a pas de soucis, bizarrement, mais cette manifestation, il y avait des musulmans très, 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 très radicaux, y compris des gens qui sont proches de terroristes avérés, des formateurs de terroristes avérés, et le CCIF était une association, et toujours, hein, parce qu'elle existe toujours, en réalité, est une association qui a participé à la mort de Samuel Paty. Donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui vont au Bataclan alors qu'ils ont indirectement participé à ces choses-là. Donc, si je peux me permettre de rajouter ça, ce que je trouve aussi un petit peu inquiétant, c'est que Yacine Bellatar, c'est peu de gens le savent, mais c'est aussi un proche de Macron. Macron l'avait nommé relais des banlieues en 2018. Et là, plus récemment, il avait fait venir à l'Élysée au moment de la marche contre l'antisémitisme pour le consulter, pour savoir s'il fallait qu'il s'y rende. Donc c'est absolument dingue que le chef de l'État se permette de recevoir des personnes comme ça. Et c'est assez inquiétant, en fait, de se dire que sous couvert d'humour, Yacine Bellatar a réussi à infiltrer les sphères de la politique française et a donc une influence qui est croissante. Et qu'il a beaucoup plus de pouvoir que, par exemple, que Medine. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus difficile que Medine pour le faire annuler. Tout à fait. Alors, je réponds dans le chat.
On a quelqu'un qui me dit « C'est faux, Medine rend hommage aux victimes dans sa chanson Bataclan ». Alors, j'ai écouté avec attention la chanson plusieurs fois, j'ai lu les paroles avec attention et je n'avais rien vu. Et ce qui est marrant, c'est que Jeff, là, pour justifier ça, il met un extrait. Et il dit « Escorté par les forces de la clameur, une salle qui brûle, c'est une époque qui meurt. Quand l'Élysée Montmartre est parti en feu, je crois que j'ai vécu mon World Trade Center ». Mais ce qui est marrant, c'est que le Bataclan, c'est pas l'Élysée Montmartre. Donc, il parle de l'Élysée Montmartre, mais il ne parle pas du Bataclan. Dans sa chanson sur le Bataclan, on ne parle pas de ce drame. Enfin, je suis désolé, je réponds là à un commentaire, mais c'est que ce soit Medine ou Bellatar, il y a une espèce de non-dit sur tout ça, parce qu'au fond, du fond, bon, je pense que ça reste des humains normaux à un niveau ou à un autre, donc je ne pense pas qu'ils cautionnent ce qui s'est passé, évidemment, encore heureux, mais par contre, ils ne sont pas touchés comme nous, de la même manière qu'il y avait des gens devant Notre-Dame qui ne comprenaient pas l'émotion et les pleurs. Eh bien, eux, pour eux, finalement, quand Medine fait une chanson sur le Bataclan, il n'y a pas un mot pour l'acte qui s'y est passé. Quand Bellatar il va venir, je pense qu'il est plus intelligent que Medine. Donc, il va peut-être faire un peu faussement quelque chose là-dessus, mais il n'en reste pas moins que, par décence, par pudeur, il ne devrait pas faire ça. C'est inacceptable pour les victimes, inacceptable pour les Français. Donc, évidemment que cette opération des natifs que vous portez, eh bien, je la soutiens à 100%. J'essaierai de la diffuser au maximum, c'est ce que je fais ce soir. En tout cas, voilà, vous qui êtes devant votre écran, eh bien, mobilisez-vous, suivez ce qui se passe sur les réseaux des natifs. Je vais vous mettre le lien en description. Je vous ai déjà mis dans le chat en direct pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, c'est un gros sujet. Bah, écoute, Stanislas, merci à toi d'être venu parler de tout ça. Et puis, on suivra ça, évidemment. Et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Pas de souci, salut. Bon, bah les amis, on est parti. Vous avez vu que c'était un sujet quand même chaud, mais essentiel à traiter, je pense. Et effectivement, au milieu de la masse d'actualité, bah, ça passe malheureusement inaperçu. Juste avant de continuer l'émission et de parler d'un débat qui a fait exploser Twitter, trahison, lâcheté, parentalité, avortement et compagnie, un truc qui a vraiment retourné Twitter, je crois que c'est le plus gros débat depuis que je suis sur réseau social. Vues, hein. Ouais, c'est énorme. Je crois que c'est vraiment le plus gros débat du Twitter francophone. Donc, on va en parler, surtout avec Armin qui a des choses à dire là-dessus. Et ensuite, on va recevoir Céline qui va nous parler d'un sujet connexe, mais éminemment important. Juste avant, les amis, je tiens à vous signaler que cette émission, elle a un partenaire. Vous allez voir, peut-être qu'on est sur un autre partenaire aussi qui va arriver. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais ce partenaire, c'est la Nouvelle Librairie. Et donc, je fais le petit instant promo, mais qui n'est pas un instant promo, comment dire ça, forcé. Au contraire, vous lisez forcément des ouvrages. Et vous avez, si vous êtes parisien, une librairie qu'il faut absolument soutenir, où il faut acheter vos ouvrages. La Nouvelle Librairie qui est dans le quartier latin. Vous avez la Nouvelle Librairie qui est aussi, en même temps, une maison d'édition avec un site internet qui permet donc d'acheter les ouvrages en vente dans la librairie physique. Une maison d'édition qui est très active, qui publie des petits ouvrages vraiment de grande qualité. Dans les sorties, on a eu par exemple Sparte et l'idée spartiate en collaboration avec l'Institut Iliade. Vous avez aussi des ouvrages plus classiques. On peut par exemple parler de Mes idées politiques de Charles Maurras, qui est un bouquin qui est essentiel à connaître pour sa culture générale. C'est-à-dire que même les gens de gauche qui n'aiment pas Charles Maurras, doivent le lire. Voilà. Et ce genre de bouquin, vous le trouvez aux éditions de la Nouvelle Librairie, avec d'ailleurs une préface très intéressante de Pierre de Meuse, alors qui est maurassien dans l'absolu. Mais voilà, vous avez comme ça. Ah ouais, tiens, t'as le bouquin des Gonones, vas-y. Ouais, voilà, je voulais vous faire la promotion un petit peu. Je suis en train de le lire, il est génial. Donc voilà, je vous conseille. Il est juste là sur l'écran, je le vois. Donc, j'en profite pour le saisir. Il était juste dans mon sac à côté. Oui, le réalisme politique, effectivement, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, j'ai reçu Antoine, l'auteur, récemment sur Nouvelle Vague. Mais voilà, vous avez des ouvrages de grande qualité qui sont édités par la Nouvelle Librairie. Vous avez, en description de cette vidéo, un lien vers le site de la Nouvelle Librairie avec le code promo Sunrise qui permet à la fois de soutenir la chaîne et puis aussi, tout simplement, d'économiser quelques sous, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Mais non, il faut vraiment soutenir ce genre de librairie, c'est absolument essentiel. Alors, les amis, on est parti avec Hermine, on va en parler. Hermine, elle est remontée, je le sens, sur cette question. On va parler d'un débat qui a retourné Twitter. On va parler de ce fil Twitter, X comme on dit maintenant,
qui a été... Alors, je vais vous le résumer parce qu'on ne va pas s'amuser à le lire en entier. Ça n'a aucun sens. Alors, hop, je vais remonter jusqu'au début, évidemment. Donc, on a quelqu'un... Alors, vous avez vu, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Hein. C'est que je n'ai dans la mémoire de Twittos, je n'ai jamais vu ça. Voilà. En France, c'est très, très, très rare d'avoir autant de vues, près de 17 millions, enfin plus de 16 millions de vues. C'est juste gigantesque. Donc, c'est un sujet qui a passionné les foules et on va en parler un petit peu. Vous allez avoir votre avis, c'est certain. Donc, on a un streamer de League of Legends, qui est un jeu vidéo en ligne. Bon, c'est pas un mec hyper connu, mais bon, c'est un streamer. Donc, pour un streamer, pour faire simple, c'est quelqu'un qui joue en direct à des jeux vidéo et que les gens regardent. Bon, pourquoi pas, c'est pas... Bon, pourquoi pas. Il nous raconte donc qu'il a rencontré une fille sur Tinder il y a un an et demi, avec qui il s'est mis en couple. Au bout de 10 mois de relation, elle lui fait savoir qu'elle souhaite avoir un enfant. Lui, lui répond, et alors je vois plus les tweets à la suite, ce qui est un peu embêtant. Voilà. Lui lui répond qu'il ne veut pas du tout d'enfant avant plusieurs années. Il était assez jeune, bon, pourquoi pas, voilà. Il y a 3 semaines de ça. Donc, attends, faut que je reprenne le truc. Il y a maintenant 3 semaines de ça. Le lendemain que je lui annonce, je suis désolé, je lis avec les fautes de français, hein, de syntaxe. Le lendemain que je lui annonce que je veux partir de la maison, car ça n'allait plus entre nous, donc il la quitte, elle lui annonce qu'elle est enceinte, qu'elle vient seulement de le découvrir, etc., qu'elle ne sait pas du tout si elle veut le garder, contrairement à la promesse qu'elle lui avait faite de ne pas avoir d'enfant. Bref, donc, il se retrouve à être apparemment dévasté. Alors, c'est assez ridicule la manière dont il en parle. Il dit, voilà... Je me sens plus mal que jamais, j'ai envie de mourir. Je faisais du stream, je jouais aux jeux vidéo pendant 16 heures par jour pour faire passer, pour essayer de ne pas réfléchir à ça, etc. etc. Et résultat des courses, je vous passe en longueur le truc, mais après beaucoup d'échanges, la fille décide de garder le bébé. Voilà, malgré un gros lobbying de la part du streamer Charles pour qu'elle avorte. Et lui, donc, au comble du désespoir, apprend qu'elle va garder l'enfant avec ce message qu'il reçoit. Je sors de mon rendez-vous chez le gynécologue, je voulais t'informer de ma décision. Alors, elle s'exprime beaucoup mieux que lui, hein, par ailleurs. Après y avoir énormément réfléchi, j'ai décidé de garder ce bébé. Je suis désolé par avance car je sais que ce n'est pas le choix que tu espérais que je fasse, mais je ne peux me résoudre à subir un tel acte, l'avortement pour lequel il militait très activement. Hein. Sache que cette décision n'a pas été prise dans le but de te nuire ou de te faire souffrir. J'ai simplement pensé à moi et à ce que je ressens aujourd'hui. Sache que la porte sera toujours ouverte si tu souhaites faire partie de la vie de cet enfant. Et au contraire, si tu souhaites ne pas avoir de contact avec lui, je respecterai ta décision. Dans les deux cas, tu as le choix et la porte reste ouverte, soit pour rester dans sa vie, soit pour en sortir. Je vais te laisser du temps pour te remettre de cette nouvelle qui, je sais, te perturbe et t'inquiète. Ce à quoi le type conclut son fil en disant qu'il a envie de se suicider, que sa vie est gâchée, perdue, et qu'il est tombé sur une manipulatrice qui lui a fait un enfant dans le dos. Débat qui peut paraître peut-être un peu banal comme ça, mais qui a vraiment retourné Twitter. Hermine, ton regard sur ça, si tu veux rajouter quelques éléments que j'aurais omis pour me donner ton avis là-dessus. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ce serait un débat très long, mais petit disclaimer quand même que je me dois de dire, évidemment, si une femme choisit toute seule de manière très préméditée de mentir expressément et de faire un enfant dans le dos d'un homme, etc., c'est quelque chose qui est très mal, qui est très mauvais et que bien sûr. Je condamne totalement moralement. En revanche, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de preuve tangible, parce que le débat a beaucoup porté sur le fait que c'était ça, la situation. Or, je pense qu'il n'y a pas de preuve tangible de ça dans le thread, uniquement une espèce d'allusion à un moment que lui se fait dans son cerveau qui a l'air très tourmenté et très à côté de la réalité sur pas mal de choses. Donc, voilà. Et dans les cas où même cela arrive, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, sur quoi porte le débat? Personne ne va forcer cette femme à s'allonger sur une table d'opération et ne va forcer un aspirateur en elle pour aspirer le bébé qu'elle veut garder. Et d'ailleurs, je pense qu'il se passe quelque chose au moment où on tombe enceinte qui... En fait, on ne peut pas forcer... Déjà, et d'ailleurs, on ne peut pas... Parce que tu ne l'as peut-être pas dit, mais
En fait, lui raconte qu'il a fait promettre à cette femme, c'est-à-dire qu'il a une copine, voilà. Ils ont 23 ans, je crois, tous les deux. Et en fait, il lui fait, quand il comprend qu'elle veut avoir un enfant à un moment, alors elle n'a pas dit forcément tout de suite, mais qu'elle en veut dans l'absolu, il lui fait promettre que dans le cas où elle tomberait enceinte par accident, elle avorterait. Voilà, mais bon. Je crois qu'elle le fait, mais en fait, on ne peut pas promettre quelque chose comme ça, qu'elle l'ait fait parce qu'elle est obligée ou qu'elle n'ait pas cru ou cru à sa promesse. On ne peut pas promettre une telle chose. Et si quelqu'un vous fait un jour cette promesse, sachez que c'est une promesse qui ne vaut rien parce qu'on ne peut pas savoir comment on va se sentir le jour où on portera la vie en soi. Donc voilà. Bien sûr. On ne peut pas forcer l'avortement, donc ça, c'est une première chose. Donc il y a une inégalité de nature entre la femme et l'homme, qui est que l'homme, effectivement, le moment où en fait il faut qu'il prenne sa décision, c'est le moment où il a un rapport sexuel. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cas où les femmes ne peuvent pas non plus choisir, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes notamment ont dit « Oui, mais une femme, en fait, si elle tombe enceinte, elle peut choisir d'avorter, alors que l'homme ne peut pas. » Oui, c'est vrai qu'elle peut, mais il y a des situations dans lesquelles la femme ne peut pas choisir forcément d'avorter, notamment si elle fait un déni de grossesse, si elle découvre la grossesse de manière trop tardive, ou tout simplement si elle ne se sent pas la force de le faire et qu'en fait elle ne se sent pas de vivre avec cet avortement toute sa vie, parce que c'est quelque chose avec lequel on vit indéniablement. Un jour, quand on a soi-même des enfants, quand on a avorté, moi j'ai pas mal de femmes que je connais qui m'ont raconté cette chose-là. Elles me racontent qu'en fait, quand elles ont elles-mêmes des enfants, elles repensent à cet enfant qu'elles n'ont pas eu. Pas forcément avec regret, je ne veux pas travestir leurs paroles, mais en tout cas, elles y repensent. Donc voilà. Donc il y a une inégalité de nature. Et donc ce que je pense devrait être le débat, c'est ce côté complètement infantile que les gens ont aujourd'hui, y compris les femmes, parce que d'ailleurs c'est un débat que moi j'avais eu beaucoup avec les femmes qui défendent l'avortement sans trop de limites, ou avec très peu de limites, et en fait il faut comprendre que, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été oublié, qu'un rapport sexuel veut dire un potentiel enfant. Il n'y a pas toujours un parachute derrière, il n'y a pas toujours la pilule, il n'y a pas toujours... voilà, il y a des cas, il y a beaucoup de cas où en fait malheureusement, qu'on l'ait décidé ou non, eh bien... peut quand même tomber enceinte et accoucher, etc. Et ça vaut pour les femmes comme pour les hommes, ouais. Pas exactement sur les mêmes choses. Mais donc voilà, et puis tout est ridicule. Ouais. Non, mais en fait, moi, si je peux donner mon avis en deux secondes, je pense qu'effectivement, c'est un peu con, je trouve, de donner son avis sur un tel truc, mais ça a pris une énorme ampleur, donc bon, on commente la chose. Et il y a quand même des choses à tirer, des leçons à tirer de tout ça. Mais... c'est possible qu'effectivement, il y ait une espèce de volonté de faire un enfant dans le dos du mec. Ça, ça arrive. Alors, ce n'est pas qu'à lui. C'est pareil, c'est une inégalité de nature, tu l'as très bien dit. C'est une inégalité qui existe depuis très longtemps et des nanas qui font des gamins dans le dos à des mecs, ça a toujours existé, ça existera toujours. Je ne dis pas que c'est bien parce qu'effectivement, moralement, c'est quand même compliqué. Ce n'est pas quelque chose d'anodin et compagnie. Maintenant, c'est vrai que le gars qui dit « Bon, si on... » On va, en gros, on va faire l'amour sans protection et si jamais il y a un enfant, tu avortes. Non, bon, je ne sais pas quels étaient leurs moyens de contraception supplémentaires, mais bon, c'est quand même un peu spécial. Évidemment, comme tu l'as très bien dit, on ne peut pas faire promettre à quelqu'un l'avortement. C'est une preuve de méconnaissance totale de la vie, quoi, de manière générale. Je ne sais même pas de la femme, parce que c'est absurde. Mais je comprends tout à fait qu'un homme puisse se sentir trahi, floué par quelqu'un qui se joue un peu de sa confiance et qui lui fait un enfant dans le dos. Je comprends totalement et je trouve ça honnêtement critiquable. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, ce qui est fou, moi, dans cette histoire, et tu l'as dit, hein, je pense que c'est pour moi le point essentiel, en fait, parce que ce débat-là ne me passionne pas des masses tant que ça, mais c'est surtout l'immaturité totale du type, quoi. Il dit qu'il va se suicider, que sa vie est gâchée. Bon... Bon, déjà, s'il était pendant un an et demi avec une nana, j'ose espérer que bon, c'était quand même pas un drame absolu pour lui. Donc, au pire du pire, bon, des enfants qui arrivent comme ça, qui dans la vie d'un couple par hasard, bon, bah, si tu t'entends pas trop mal avec la personne, tu peux quand même avoir un enfant avec elle. Et puis après, bah, au pire, c'est un enfant séparé, quoi. Tu l'as une semaine sur deux. Même si tu te sens totalement floué, et je pense pour le coup, si c'est avéré. Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas dans ce cas de figure, hein, pour le coup, mais si c'est non, non, mais... qui existe,
Oui, enfin évidemment que c'est une grande trahison, mais en fait, au bout d'un moment, quand on fait quelque chose, on prend parfois des risques. Il faut être conscient que c'est un risque. J'ai le sentiment qu'il y a des générations entières qui sont convaincues que ça n'est pas un risque, en fait, et qu'il y a toujours systématiquement un parachute. Et ça, c'est une vision de la vie que je trouve très étrange, notamment par rapport au rapport sexuel et à la vie sexuelle en général. Et ça me pose vraiment ontologiquement problème, en fait. Et, oui, et puis il y a une immaturité. Enfin, t'as des mecs. L'enfant n'a pas choisi que ta femme, ta copine, t'es flouée. Enfin, donc en fait. Non, mais bien sûr. Et au pire du pire, t'assumes. C'est un être humain qui rentre dans la vie. Donc je suis désolé. D'ailleurs, c'est ça qui lui fait peur. C'est qu'il existe. Parce que la nana, elle est clean. Hein. Elle lui dit, si tu veux, tu n'auras jamais aucun contact avec lui. Elle lui parle même pas de pension ou de je sais pas quoi. Non. Elle lui dit, en plus, il a les messages qui montrent que, bon, voilà, il est plutôt tranquille à ce niveau-là, plus ou moins. Mais il peut très bien ne pas l'avoir dans sa vie. Mais au fond, quand on a fait un enfant, c'est une richesse et une telle part de soi qu'évidemment qu'on ne se sent pas à l'aise de laisser un enfant qui est le sien dans la nature, quoi. Mais au pire, bah voilà, c'est un enfant séparé avec des parents qui vivent séparément, ça existe. Voilà, sans problème dans nos sociétés, et voilà. Et puis vraiment, c'est le côté immaturité totale, parce que le type, déjà, son moyen de décompresser, c'est de jouer aux jeux vidéo pendant 16 heures par jour. Enfin, en fait, ça vous donne une idée du type humain, quoi. Je veux pas critiquer cette personne, je la connais pas plus que ça, mais enfin, quand on repense à nos ancêtres, voilà, qui étaient durs au mal, qui ont travaillé dur comme jamais, qui ont fait la guerre et compagnie, et qu'on voit un type qui est en PLS total et qui se met à jouer à des jeux vidéo pendant 16 heures, pendant des jours et des jours d'affilée. Voilà, il y a un problème psychologique et de développement humain, en fait, chez ces personnes-là. Et je trouve qu'on a des gens qui sont... C'est ça qui est important là-dedans, c'est qu'on voit des gens qui sont complètement... incapables de faire face à la moindre difficulté, qui sont dans un tel cocon de confort, d'abondance et compagnie, qu'en fait, ils ne peuvent pas supporter la contrariété et quelque chose qui vienne empiéter sur leur liberté. Et ça, je trouve que c'est vraiment dramatique. Alors là, c'est un cas un peu extrême, parce que, bon, c'est du délire, mais je trouve que la toile de fond là-dessus sur la jeunesse d'aujourd'hui est un peu inquiétante, quand même. Donc voilà, moi, c'est le truc que ça m'inspire. C'est je me dis, bon, bah, je comprends le mec s'il se sent floué, mais alors de là en faire un fil aussi dramatique, je sais pas, c'est un peu étrange. Voilà. Bon, j'ai pas plus de commentaires là-dessus, mais je sais pas si tu veux finir. Oui, non, après, j'ai évidemment rien de personnel contre lui, mais voilà, je trouve que ça révèle, il y a pas mal d'aspects dans ce débat qui révèle des choses de la société d'aujourd'hui et peut-être aussi de la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis, bon, la jeunesse, ça va, il a 23 ans, il n'en a pas 18. Oui. Enfin, moi, j'ai eu mon fils à 24 ans, ça va, on s'en remet. Alors, moi, c'était désiré, mais je veux dire, voilà, ça dit quelque chose de beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et ça dit quelque chose aussi, bah, effectivement, de cette vision des relations et de la vie, quoi, parce que je trouve pas ça exagéré que parfois on puisse considérer l'idée qu'il puisse y avoir un enfant après des rapports sexuels répétés. Enfin, je trouve ça étrange, en fait, que ce truc-là soit plus une évidence, mais bon. Non, mais ça montre bien vraiment la déconnexion totale de la vie réelle de plein de gens qui ne comprennent pas les conséquences de leurs actes et qui, au moment où les conséquences arrivent, ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Ça, franchement, écoute, voilà, la nana, elle est là, le gamin, il est là. Au pire, c'est ce que je dis, une semaine sur deux, vous faites les premiers mois ensemble, ensuite une semaine sur deux, et puis voilà, c'est un enfant, c'est pas une charge. Enfin, après, pour un gamer qui fait que jouer à des jeux vidéo, oui, bah, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a un moment où il faut grandir, quoi. Bref. Justement, bah, écoute, Hermine, je te propose qu'on accueille tout de suite la prochaine invitée. Avant d'accueillir Pauline Condomine de Livre Noir dans quelques instants, on va conclure sur cette question de la parentalité. Alors, avec Céline, qui va nous rejoindre tout de suite. Salut Céline. Bonsoir. Bon, bah écoute, c'est un plaisir de te voir. On s'est croisés au colloque Iliade. En plus, tu es une abonnée Sunrise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soutient mon travail. Merci à toi. Merci à tous ceux qui le font. Vous avez le lien en description pour le faire. Tiens, en quelques mots, ton avis sur cette histoire qu'on a évoquée là et qui a retourné Twitter, en quelques mots, ce que t'en penses, toi qui es mère de famille. Ouais, j'ai pas trop commenté parce que ouais.
Ouais, c'est. J'ai de la pitié pour le gars, en vrai, mais. Oui, mais ouais, je pense qu'il y a un problème psychologique en fait. Donc c'est vrai que peut-être qu'on est trop méchant à en parler. Peut-être qu'en fait il faut qu'il se fasse soigner et puis ça ira peut-être mieux et il revivra une belle vie avec son enfant dans quelques mois peut-être. Je lui souhaite en tout cas d'aller beaucoup mieux. Alors ça frise un petit peu, c'est normal, mais normalement vous m'entendez. Alors tu es là, Céline, parce que tu as lancé une initiative. On va en parler tout de suite, voilà. Pour la fête des pères 2024. Sur Twitter, tu as lancé un concept, fête des pères, donc fabriquer des pères, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux faire? A priori, tu veux donner la parole à des pères pour donner une bonne image de ce qu'est la parentalité et la paternité. Oui, c'est ça. Ça fait un bout de temps déjà que j'avais envie d'entendre des pères solides, des pères qui assumaient au sens large leur paternité. Ça, à la suite de ton émission ADN sur la natalité, je me suis dit, bon, il faut que je me lance. j'ai créé cette petite initiative qui s'appelle Fête des pères. Et consiste, comme tu as dit, à donner la parole au papa, savoir comment ils vivent leur paternité. L'objectif, bah, c'est de transmettre des valeurs parentales, éducatives, promouvoir les joies de la paternité et aussi bah, donner envie aux plus jeunes de se responsabiliser en fondant un foyer. Donc, forcément, j'ai pensé à Charles, c'était totalement une coïncidence. Hein, Ouais. Son tweet est mien, mais ça se rejoignait pas mal. Et puis Ouais. aussi mettre en avant la complémentarité père-mère. Voilà, demander aux pères enracinés en quoi ils apportent du bon en tant qu'hommes à leurs enfants. Voilà, c'est ça OK. la grande question. Et donc, les modalités, donc ça va, j'ai donc lancé un appel au témoignage. Et j'ai posé trois questions. Je ne sais pas si tu peux remettre le visuel que je t'ai envoyé ce matin. Oui. Alors attends, parce que on est un. Je vais te le mettre, bien sûr que je vais te le mettre. Il est ici. Hop. Hop, 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 hop. On va y arriver. Hop. Désolé les amis, on est dans le direct. J'ai un programme tellement chargé que j'ai oublié ça. Mais on va y arriver tout de suite. Le Sinon, voici. je l'ai tweeté en dernier, donc je pense que si tu as sur mon profil, T'inquiète, tu l'as. t'inquiète, c'est bon. Voilà. Donc, il y a trois questions. La première, quels sont les défis de la paternité que vous avez rencontrés dans une société de plus en plus émasculée où père et mère devraient être à tout prix interchangeables? Que transmettez-vous à vos enfants en tant qu'hommes spécifiquement? Et nous raconter une anecdote où vous êtes senti particulièrement fier d'être papa. Et donc, je vais récolter tous ces témoignages et en faire des threads. D'environ une dizaine de tweets pour que ça reste lisible, mais qu'il y ait quand même suffisamment de matière. Ben à partir de juin, en fonction des résultats, jusqu'à la fête des pères qui est le 16 juin. Non mais écoute, c'est génial parce que c'est vraiment une initiative comme ça qui est importante, c'est-à-dire de mettre en avant bah, ceux qui font la France de demain, en fait, c'est-à-dire les parents, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment plaisant de parler de ça. Et puis pareil, dans une époque où les hommes sont de plus déresponsabilisés, ont le plus en plus le refus de l'engagement et compagnie, eh bien c'est intéressant de justement de montrer concrètement ce que c'est d'être père et que ce n'est pas, comme le pensent des streamers de jeux vidéo, ce n'est pas une charge, même si ça l'est quand même un petit peu, bien entendu, mais c'est aussi quand même beaucoup de bonheur. Hermine, ton regard sur cette initiative de Céline, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi j'aime bien le travail de Céline. Je connais déjà la bibliothèque pour enfants. Enfin, c'est pas une bibliothèque, enfin c'est pas une vraie bibliothèque, disons, mais c'est. Enfin, Céline l'expliquera mieux quoi, je pense. Mais c'est en gros l'idée, c'est de répertorier les livres qui sont adaptés aux enfants et qui correspondent quand même un peu à nos idées, et en tout cas qui sont compatibles avec nos idées. Voilà, je trouvais ça très bien. J'aime bien le travail que fait Céline sur la parentalité en général. Je trouve que c'est bien aussi de parler de parentalité et notamment de paternité, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de maternité. Ouais. Bah, normal, parce qu'en fait, c'est vrai que la plupart des gens qui aiment parler de maternité, enfin de parentalité, c'est plutôt les femmes, donc du coup, c'est plutôt de la maternité dont elles vont parler. Mais c'est une excellente initiative. Il faut donner aux hommes.
comme Nicolas, envie d'être, d'être père et à tous ceux qui nous écoutent. Et je pense que c'est très bien de relayer des expériences positives et voilà, des modèles aussi. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est vraiment super. Alors Céline, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, j'ai mis dans le chat le lien pour te joindre, je le mettrai dans la description bien entendu, est-ce que tu peux nous dire quels sont les premiers pères qui ont répondu à ton appel et qui vont voir leurs paroles diffusées sur les réseaux sociaux? Alors j'ai contacté les Téméraires en premier parce que c'est une communauté enracinée que je trouve vraiment admirable. Ils mettent beaucoup en avant la famille, donc c'est à eux que je me suis adressée en premier. J'étais ravie de voir qu'ils étaient enthousiastes à mon idée. Donc il y a plusieurs papas des Téméraires qui vont témoigner. Ensuite, j'ai contacté Romain Petitjean aussi, qui était ravi de pouvoir participer. On a aussi Grégory Rose, Victor Robert et Julien Langela de Academia Christiana aussi qui vont participer. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a Victor Robert qui a lancé un podcast qui s'appelle Retour au réel. Il a fait un épisode sur la paternité qui est vraiment très bien, que je recommande. Et c'est typiquement ce genre de témoignage que je souhaiterais multiplier à travers cette initiative Fête des Pères. Ok, bah écoute, super, très intéressant cette initiative. Je vous ai mis tous les liens qu'il faut en description. Il faut soutenir ce genre de projet que je trouve à la fois hyper simple, mais fondamentaux. Voilà. Donc, bah écoute, merci beaucoup Céline pour ta présence et pour ton engagement. Voilà, je te l'ai déjà dit en vrai, je te le redis ici. Et puis, écoute, on suivra ça avec attention évidemment dans Nouvelle Vague. Ouais, ça promet d'être riche en émotions parce que j'en ai déjà reçu quelques-uns et à chaque fois j'ai l'air mesure les guides. Ah bah ouais. J'adore lire des pères qui sont fiers de leurs enfants. Je trouve ça tellement touchant. Et oui, bah il faudra envoyer ça. Et promis, on va envoyer ça à Charles là qui a peur d'être père. On va lui envoyer, ça va lui le rassurer peut-être un peu. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline et puis à très vite. Avec plaisir. Allez, salut. Bon bah super initiative, franchement, c'est vraiment génial. Dans quelques instants, on va accueillir Pauline Condomine de Livre Noir. Voilà, elle va se connecter, elle va arriver. Le temps qu'elle se connecte et qu'elle arrive. Eh bien, je vais vous parler, petite nouvelle, c'est vrai que Hermine, je n'ai même pas eu le temps de t'en parler, mais un nouveau partenariat entre Sunrise et un acteur majeur que j'apprécie énormément dans le monde des idées et qui n'est pas si éloigné que ça finalement de la nouvelle librairie, puisque c'est un travail qui est complémentaire. Je veux vous parler donc d'un nouveau partenariat Sunrise avec les petites réductions qui vont bien, vous connaissez la musique, pour vous faire plaisir. Mais je veux vous parler d'Idéochoc. Voilà, Idéochoc, qui est un projet vraiment excellent, que j'apprécie particulièrement, et qui est porté par Jérémy Banneton, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir, et que je recevrai d'ailleurs en grande pompe mardi prochain, si tout va bien. Hermine, est-ce que tu connais Idéochoc ou pas? Oui, je connais, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'étais vraiment ces derniers temps en train de me dire que j'allais m'abonner. Et ben, c'est justement parce que tu n'as pas le temps qu'il faut que tu testes ce projet qui est vraiment absolument génial. Donc Idéochoc, pour faire très simple, c'est un site sur lequel vous trouvez alors une quantité maintenant très impressionnante de bouquins, hein, donc vous avez en fait c'est un site qui pourrait s'apparenter à un site de formation qui résume et tire les idées les plus fortes et les plus importantes d'ouvrages absolument majeurs qu'il faut connaître et qu'il faut avoir lu donc on est sur une plateforme de formation qui publie chaque semaine sous forme de podcast ou sous forme de texte, ce qui est super appréciable. Des livres, des analyses, des résumés, des condensés plutôt que des résumés, des condensés de livres connus ou moins connus, des livres parfois classiques, parfois controversés, hein, c'est la beauté de la chose, ce qui constitue donc une formation régulière pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Pourquoi ? Parce que vous avez la substantifique moelle de dizaines d'ouvrages qui est à votre disposition. Voilà, c'est un outil qui est super intéressant, avec un catalogue qui est juste mais énorme, vraiment énorme. On a du Alain de Benoist, du Spengler, on a Dominique Vénère, bien sûr, Charles Maurras, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Christophe Guillouy, Junger, Machiavel, le prince, dont j'ai parlé avec Antoine Dresse des Gonones, Proudhon, Julien Rochdy, bien sûr, pour la nouvelle génération, Bertrand de Jouvenel. Comment ? Le privilège blanc qu'on voit à l'écran, qui est très bien. Tout à fait. Privilège blanc qui est génial. Bref, on a énormément d'ouvrages. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On aura l'occasion d'y revenir vu que c'est un nouveau partenariat Sunrise. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que c'est à la fois, ça peut servir à ceux qui n'ont pas le temps de lire tous ces ouvrages-là, qui sont des dizaines et qui sont proposés. Mais même pour ceux qui les ont lus. Parce que moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de cette liste. Et en réalité, au bout d'un moment, globalement, on a quand même perdu le fil de ce qui s'y est dit. Et surtout, c'est un peu délayé parce qu'on ne retient pas forcément l'essentiel et on se noie un peu dans l'accessoire. Eh bien, avec Idéochoc, au contraire, on a quelque chose qu'on peut relire de temps en temps. C'est comme un système de prise de notes amélioré, en fait, qui est fait par des gens qui ont plus de métier que moi, en tout cas, qui sont meilleurs que moi en prise de notes. Et je trouve que même quand on a déjà lu un ouvrage, en fait, c'est passionnant de retrouver ces analyses condensées d'ouvrages. On peut les écouter en plus en audio partout. Donc, c'est absolument génial. Un nouveau partenaire Sunrise. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Vous avez un code promo 10% de réduction. Voilà, puisqu'on est sur un achat à l'année qui revient à 8 euros par mois. Là, vous avez 10% de réduction. Donc, c'est quand même pas rien. Et vous avez chaque semaine des nouveaux ouvrages. Donc, je suis très, très content d'avoir ce partenariat qui est créé. Voilà. Donc, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez le petit code promo et vous découvrez les portes du savoir qui s'ouvrent à vous. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Chaque nouvelle vague, je ferai un petit focus et vous verrez, franchement, c'est du très, très, très bon boulot. Donc, je suis ravi. C'est une fois de plus un partenariat qui n'est pas un simple partenariat commercial, mais qui est plus que ça, qui est un partenariat d'adhésion. Et moi, franchement, j'apprécie beaucoup me cultiver sur cette plateforme. Bref, j'en finis avec ça. Puis on va attendre tranquillement que Pauline se connecte pour parler de son formidable travail sur Livre Noir. Je lui fais signe. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard de notre côté, mais normalement, ça va être bon. Et en l'attendant, eh bien, écoute, Armin, on va pouvoir déjà commencer un petit peu, puisqu'on va parler de cet ouvrage, enfin de cet ouvrage, de ce magazine Livre Noir, le troisième numéro. Et je vois Pauline qui se connecte tranquillement, donc c'est génial. On va l'accueillir immédiatement. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bah, pas de problème, écoute, c'est un plaisir et un honneur, j'ai envie de dire, puisqu'on se fait infiltrer, mais en toute connaissance de cause ce soir, puisqu'on sait qui tu es, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Donc oui, je disais, troisième numéro de Livre Noir, qui est actuellement en vente chez tous les marchands de journaux, j'ai été moi-même l'acheter, voilà, je me suis fait ce petit plaisir, je l'ai lu au soleil, parce qu'il fait un petit peu beau en ce moment, donc c'était génial. Est-ce que tu peux te présenter, Pauline, ton parcours en tant que journaliste et nous présenter également ton média Livre Noir avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr, donc moi je m'appelle Pauline Condomine et je suis journaliste à Livre Noir. J'ai commencé à Livre Noir après des études littéraires. Et, okay. Et alors pour présenter un peu le média Livre Noir, c'est un média qui a plusieurs facettes. On fait de grands entretiens portraits qu'on publie notamment sur YouTube. Qui permettent à des invités voilà, qui ont un regard vraiment sur la politique, sur les sujets de société, de s'exprimer longuement. On fait aussi beaucoup de suivi de l'actualité directe, enfin, de l'actualité chaude et brute. Et on fait aussi du journalisme de plus en plus, et c'est vraiment là-dedans qu'on est en train de se développer en ce moment, d'enquête avec des reportages de terrain. Il y a Eric Tegner, directeur de la rédaction, qui lui a beaucoup suivi les filières migratoires, hein. Il est allé à Lampedusa quand il y a eu la crise migratoire, c'était le premier à y aller, et à montrer un peu la vérité de cette immigration, hein, montrer que c'était une immigration économique, et pas des personnes qui voulaient demander l'asile, comme certains avaient pu prétendre. Et puis voilà, on a aussi notre rédacteur en chef qui a révélé justement la présence d'un djihadiste qui compte passer à l'acte, et qui se balade en liberté dans Paris. Et puis moi, j'ai fait justement cette enquête sur l'extrême gauche. Mais voilà, on essaye de faire du journalisme d'impact
de révéler des choses qui sont importantes et que le public a le droit de savoir pour ensuite pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ok, voilà. Alors, tu as fait un gros reportage. Moi, tu fais 80% du troisième numéro, en fait, hein, globalement, pour faire ça. Mais c'est de la grande qualité. Alors, pour résumer très succinctement, on va spoiler un peu quand même, hein, les amis, mais j'imagine que vous avez déjà acheté. Si ce n'est pas déjà fait, allez l'acheter, parce que c'est vraiment du très bon boulot d'investigation. Je peux vous dire qu'il y a des gauchistes qui ont dû péter un plomb en voyant tout ça. Donc, tu t'es infiltré, non pas dans une, non pas dans deux, non pas dans trois, mais dans toutes les associations de gauche radicale du moment. Voilà, tu l'as toute faite. Tu t'es infiltré donc incognito par définition et tu en as tiré des enquêtes, des informations sur le fonctionnement de chacune de ces associations, de chacune de ces structures. C'est absolument édifiant. Voilà. Juste un mot avant de commencer les questions. Hermine, toi qui as pu consulter un peu cette enquête, enfin ces enquêtes finalement, quel a été ton sentiment général à la lecture de tout ça ? Alors déjà, j'en ai acheté deux, parce que je vais en offrir un, et par soutien aussi. Déjà, c'est un sublime magazine. Il a un certain prix, mais en fait, bon, déjà au niveau du contenant, on en parlera, mais c'est assez incroyable d'avoir autant dans un seul magazine, et il est sublime. Donc déjà, bravo à Livre Noir pour ce travail incroyable, je trouve. Surtout que maintenant, c'est distribué dans tous les kiosques de France, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas l'acheter. Et sur le fond, c'est incroyable. Alors, personnellement, je découvre pas forcément la mentalité de gauche, parce que j'en viens. Donc, en fait, je suis juste contente que ce soit mis un peu à découvert. Mais c'est un travail incroyable. Les articles écrits, que ce soit par Pauline, mais aussi par d'autres, sont remarquablement bien écrits. Moi, je me suis laissée porter. Sans trop spoiler, Pauline raconte. Elle prend plusieurs associations, les associations des sans-papiers, les associations pro-Palestine, et en fait, elle raconte par système de dates, au fur et à mesure, le déroulé de son infiltration, et c'est très bien écrit, et c'est totalement édifiant. On a des SMS de conversation entre gauchistes, enfin, on a vraiment... c'est pas du tout un truc échéant à lire, et en même temps, c'est très complet, donc vraiment... Ouais. Enfin, on s'y perd quand même un peu parfois parce qu'il y a tellement de données que franchement, c'est parfois, même si c'est bien daté et tout, on se dit, mais attends, elle était là, 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 elle a tout fait, quoi. On se demande en le lisant, Pauline, tu dormais parfois pendant ton infiltration, effectivement. Mais c'est vrai que c'est assez dense, c'est vrai, surtout pour notamment l'enquête sur l'urgence Palestine où elle fait quand même 24 pages, donc... Donc, oui, il faut la lire, mais en même temps, c'est vrai que quand on va sur le terrain, on découvre tellement de choses, on a tellement d'informations qui sont importantes que, même si on fait du tri, c'est vrai que ça donne des grands articles, des grandes enquêtes, mais c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Bah là, c'est clair que tu as pu te faire plaisir. Hein. Pour une première expérience de journalisme, là, je peux te dire que c'est très costaud. Alors, du coup, la question qui vient immédiatement en tête, là, on a plein de questions qu'on veut te poser, donc c'est parti. Comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de réaliser cette infiltration? Alors, ça m'est venu... en fait, ça a commencé l'année dernière, donc en avril 2023. C'était l'époque où on s'est rendu compte qu'il y avait l'association Utopia 56, donc qui est une association pro-immigration, qui était en train d'occuper une école désaffectée dans le 16e arrondissement. Et elle l'occupait en y faisant loger des personnes qu'elle appelait des MNA, donc qu'elle appelait des mineurs non accompagnés. Donc, c'était des migrants. Et elle demandait, en fait, elle l'occupait, c'était un peu une sorte de happening, si je puis dire, pour exiger qu'on mette à disposition des hébergements pour ces personnes qu'elle prétendait être mineures. Et donc, évidemment, ça avait créé une polémique. Hein, le maire du 16e arrondissement avait réagi. Et puis, il y avait la question qui se posait, qui sont, en fait, ces personnes-là présentées comme des mineurs, comme des enfants? Est-ce que ce sont vraiment des MNA? Pourquoi est-ce que si c'était des mineurs, normalement, ils devraient être logés? Des mineurs non accompagnés, c'est toujours logé. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller voir. Et c'était là, pour le coup, c'était vraiment une curiosité importante de ma part d'aller voir réellement qui étaient ces personnes-là. Et donc, je me suis... Pardon? Tu n'étais pas journaliste à ce moment-là? Si, j'étais chez Livre Noir. Okay. Oui, okay, bien d'accord. Sûr. Et d'ailleurs, j'ai fait une première enquête qui est sortie dans le premier numéro de Livre Noir, qui justement était consacré à l'immigration, à la question de l'immigration. Et en fait, donc j'y suis allée et je suis devenue bénévole.
Et donc, j'ai découvert en fait que ces 10 MNA n'étaient pas vraiment mineurs. En tout cas, leur demande de minorité avait été refusée par ceux qui sont censés justement l'accorder ou non. Et puis, ce que j'ai découvert, et en fait, ce qui était encore plus passionnant, finalement, c'était pas tant les personnes qui étaient prises en charge par cette association, mais c'était la manière de fonctionner de cette association, la mentalité des bénévoles et voilà, leur manière de procéder. Parce que, notamment, en fait, je me suis rendu compte que, ils organisaient des manifestations avec des clandestins. Et qu'en fait, bon, d'habitude, ils leur donnaient, ils les aidaient à trouver des logements le soir. Et puis, il y avait certains soirs où ils leur disaient, bon, ce soir, on ne vous aide pas à trouver de logement parce que ce soir, c'est manifestation. Donc, vous allez rester toute la nuit devant l'hôtel de ville pour demander de l'hébergement. Alors que normalement, l'hébergement d'urgence, c'est l'État qui est censé s'en charger. C'est pas la mairie, c'est pas le département qui est censé s'en charger. Mais ils savent qu'en faisant pression sur la ville de Paris, ils auront plus de chances d'obtenir cet hébergement d'urgence. Et donc, ils disaient à des familles de clandestins avec des femmes, des bébés, de rester toute la nuit devant l'hôtel de ville. Ils écrivaient leurs pancartes. Et ils leur disaient, voilà, ce soir, il n'y a pas d'hébergement. Et il y avait même des familles qui allaient les voir et qui leur disaient, mais ce soir, on aimerait rentrer. Et ils leur disaient, non, non, ce soir, ce n'est pas possible. Et moi, j'étais même allée les voir et je leur avais dit, mais vous ne voulez pas les laisser partir? Ils disaient, bah non, si on les laisse partir, tout le monde va partir. Et donc, les choses n'avanceront jamais. Donc, la fin justifie les moyens. Et c'est là que je me suis rendu compte que ces associations étaient vraiment intéressantes par les bénévoles qui s'en occupent. Ok, donc c'est assez costaud. Je sais pas comment tu veux faire, Amine, si tu veux poser des questions aussi, n'hésite pas. Hein, moi, c'est vrai que j'ai prévu le petit truc, mais on peut Ouais, voir. je voulais un peu rebondir sur une partie Vas-y. sur Urgence Palestine, mais il n'y a pas d'urgence, donc si tu veux poser un peu des questions Il y a techniques sur urgence Palestine. Il y a urgence Palestine, bien sûr qu'il y a urgence. Non, mais carrément, bah écoute, j'enchaîne un peu sur les trucs. Donc, du coup, tu as eu l'idée de cette infiltration dans d'autres structures ensuite. Comment tu t'y es préparé? Est-ce que tu as vu ça bah, avec Eric Tegner qui a validé? Est-ce qu'il y avait des dangers? Est-ce que tu es venu avec du matériel type enregistreur? Parce qu'on le voit dans l'enquête, ils sont quand même malins. Ils mettent les téléphones dans des boîtes hermétiques. C'est des choses qu'on ne voit pas à droite, ça. Donc, ils sont quand même sérieux, les mecs. Comment tu t'es préparé concrètement à ça, quoi? Alors effectivement, Eric m'a proposé de continuer cette infiltration. Et donc j'ai dit oui parce que ma première expérience chez Utopia 56 s'était avérée très fructueuse. Donc j'ai décidé de continuer. Et alors ça n'a pas tout de suite été évident en fait. C'est pas facile de rentrer vraiment dans les groupes. Et je pense que c'est des limites aussi personnelles hein, parce qu'au début on a du mal. Donc moi j'ai commencé... Voilà, j'ai commencé par tâter le terrain en allant dans des réunions très publiques et qui étaient un peu ouvertes à tout le monde. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment pris de plus en plus d'initiatives pour contacter des gens, pour rentrer dans les groupes et j'y suis allée. Et effectivement, pour les enregistrements, on avait du matériel, hein, du matériel pour enregistrer. Donc ce n'était pas des téléphones, mais après c'était un enregistrement qui permettait voilà de pouvoir prouver si besoin ce qu'on dit Ah, parce c'est qu'on dit quand même génial. des choses qui sont pas rien hein, quand on parle d'apologie du terrorisme quand on parle d'antisionisme très extrême bah c'est quand même important de pouvoir le prouver et Attends, attends, donc je me permets de t'interrompre, mais c'est du coup, ça devait être flippant. T'arrives avec du matériel, si on te trouve le matériel, t'es foutu, non? Oui, après, c'était pas un matériel très, très voyant, donc ça va, c'était pas non Ok. plus. Enfin, et après, en fait, c'est psychologique, hein. Psychologiquement, c'est pas simple d'arriver quelque part, déjà en se disant j'y vais en tant que journaliste infiltré, et en plus, j'ai un enregistreur, et voilà, donc forcément. Et puis, quand vous parliez justement des boîtes hermétiques pour mettre les téléphones dedans, ça c'était chez les soulèvements de la Terre, en fait, c'est eux ce qu'ils font parce qu'ils sont très paranoïaques. Parce que, bah, et a raison d'ailleurs, parce que Gérald Darmanin les a dissous l'année dernière, mais le Conseil d'État a annulé la dissolution. Et donc maintenant, à chaque réunion, ils mettent les téléphones dans des boîtes et ils font très attention. Oui. Ok. Donc du coup, t'es équipé. Est-ce que tu as eu peur quand même à un moment dans cette aventure? J'ai eu peur, oui, et je le raconte dans l'article justement sur Urgence Palestine, parce que, alors, j'ai eu, en fait, il y a eu toute une séquence, pour l'info, il y a eu toute une séquence pendant le 8 mars, parce que, donc, ce groupe que j'ai infiltré, en fait, avant le 8 mars, a appris que pendant le 8 mars, donc, pour la marche pour les droits des femmes, il y aurait un groupe qui s'appelle Nous Vivrons et qui dénonce les viols commis par le Hamas. Et donc, les militants ont trouvé ça inacceptable, cette présence de ce groupe.
C'est fou. Et ils ont décidé d'attaquer le cortège. Et donc, j'ai vu donc, le chef avec qui j'étais 3 jours avant en réunion, en train de discuter, qui, 3 jours après, prend des bouteilles et les lance sur ce cortège. Et pas que lui, en fait, il y avait d'autres gens qui étaient à cette réunion, d'autres jeunes hommes qui sont allés se battre et que j'ai vu quand même de mes yeux. Donc, c'est sûr que la réunion suivante, j'étais un peu moins rassurée. Et puis, en plus, de surcroît, ils pensaient qu'ils étaient infiltrés parce qu'il y avait une de leurs conversations sur Telegram, je crois, qui avait fuité sur X. Et donc, ils étaient persuadés d'être infiltrés. Donc, j'ai fait encore 2 réunions par la suite où les militants commençaient à dire « Bon, il faut faire attention à tout le monde, on est sûrement infiltrés ici. » Et puis, tout le monde se regardait un peu. Et, mais non. C'est sûr que j'avais l'impression de rougir et d'être toute rouge. Donc voilà. Waouh. Ah non, mais là, ça devait être ultra flippant. Hein. Donc, à ce moment-là, je comprends que là, tu te dis « Bon, on va peut-être s'en aller à un moment. » Et justement, les types, comment ils pouvaient avoir confiance en toi ? Toi, tu étais là depuis un moment. Enfin, comment tu as gagné leur confiance pour ne pas être directement grillé ? Alors, pour ne pas être grillé, bah, alors déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais un peu d'un groupe à l'autre dans ces différents groupes. Et puis, quand souvent on demande, voilà, tu viens d'où, etc., bah, je mentionnais le groupe où j'étais juste avant. Donc, je disais, voilà, donc avant, j'étais à la dernière rénovation. Maintenant, j'aimerais rentrer au soulèvement de la Terre. Ça a l'air un peu plus sympathique. Donc, donc tout de suite, ça inspire un peu la confiance de se dire que je suis déjà dans le milieu. Ouais, tu as déjà été validé par d'autres, en fait, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Après, ce qui est avantageux aussi, c'est qu'il y a quand même une culture de l'anonymat qui est assez forte dans ces groupes. Beaucoup de gens ont des pseudos, hein, beaucoup de gens ne donnent pas leur vrai prénom parce qu'ils ne veulent pas que ça puisse entacher leur vie professionnelle, etc. Et donc ça, c'était plutôt pratique aussi parce que je n'avais pas non plus à me justifier, je n'avais pas à donner mon nom de famille, donc voilà. Ok, Hermine, tu voulais parler d'Urgence Palestine, je pense qu'on peut aborder le sujet, là on pourra revenir sur certains points annexes, mais c'est vrai que là, on va se concentrer sur les révélations. Si tu voulais parler un petit peu de ça, Hermine. Ouais. Bah, c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très évident, parce que tu l'as dit, la partie sur Urgence Palestine, qui est une des associations, il me semble, informelles que tu traites, mais le plus en longueur. En fait, j'ai relevé un peu des passages que je trouvais assez édifiants, et je trouve que c'est pas mal d'en parler un petit peu ce soir, parce que ça finira par concerner la France. Mais par exemple, il y a une phrase où tu dis « la notion de terrorisme qui devient une résistance dans leur bouche, à Gaza comme en France ». Et c'est vrai que tu abordes beaucoup cette question qui semble assez primordiale sur d'ailleurs toutes les associations que tu as infiltrées, c'est la question du décolonialisme. Et en fait, le décolonialisme, évidemment, est adressé contre les colons israéliens, comme ils les appellent, et contre le sionisme et Israël en général. Mais en fait, pendant tout toute ton enquête, tu nous montres qu'en fait, il est également adressé à l'Occident et aux Blancs en général, enfin, en tout cas, du moins aux Français et aux Occidentaux. Et en fait, il y a beaucoup de moments où tu donnes des exemples de ce que tu disais, de la fin justifie les moyens et notamment la violence. Par exemple, une militante qui s'appelle Myriam qui dit « Pour moi, comme beaucoup de musulmans, pour ne pas dire la majorité, le 7 octobre a été la résistance en action ». Il y a également un moment où tu racontes... On le rappelle, Hermine, hein, je rappelle, le 7 octobre, ouais. Attaque contre des civils, meurtre de sang-froid, viol et compagnie, kidnapping contre des civils, c'est abominable. Il y a des réunions publiques avec Ersila Soudek, et donc une députée de la LFI qui est présente à une réunion publique où en fait des gens prennent la parole juste avant elle pour dire il faut reconnaître la légitimité de la résistance palestinienne sous toutes les formes qu'elle prendra, et donc en incluant le 7 octobre. Donc déjà, ça, c'est des choses qui sont... voilà, je ne vais pas tout spoiler parce qu'il faut que vous découvriez ça par vous-même, mais voilà, il y a beaucoup de gens dans mon quartier qui ont pris plaisir aux actions du Hamas. De jeunes Arabes ont célébré ce phénomène. Ça, c'est également une militante, je crois, maghrébine, qui raconte ça. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce qu'on découvre... Enfin, moi, je ne le découvre pas vraiment, et je pense qu'il y a des gens qui ne le découvrent pas vraiment, mais en tout cas, là, il y a vraiment des preuves factuelles. C'est qu'en fait... la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la violence est en fait une réponse de résistance contre le colonialisme. C'est quelque chose qu'on entend à l'égard d'Israël, bah, notamment dans cette association, mais c'est en fait quelque chose qu'on entend à l'égard de la France, parce que le décolonialisme s'adresse aussi aux Français. Et par exemple, il y a un moment où il me semble la loi immigration, et tu en parles beaucoup, des réactions des associations, notamment féministes et tout ça, à ce sujet. Et en fait,
Enfin, moi, genre, en lisant l'enquête, ce que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, c'est qu'il y a un lien évident entre donc, décolonialisme 7 octobre, donc décolonialisme et terrorisme direct sur des civils, des enfants, des femmes, etc., et donc décolonialisme sur les Français. Et en fait, moi, la question, je trouve que le truc qui manque à l'équation à la fin, qu'on est obligé de se poser en lisant cette infiltration incroyable, c'est qu'en fait, quelque part, l'avenir très proche de ces associations, si ce n'est pas déjà le passé par... évidemment des événements qui sont arrivés en France comme les attentats, mais c'est qu'en fait Gaza un jour ce sera nous, parce qu'en fait il y aura quelque chose à décoloniser. Est-ce qu'un jour il n'y aura pas des infiltrations de gens qui viendront de certaines parties du territoire français faire de la décolonisation sur les Français et les civils français? Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits au cours de ton enquête, tu vois, des gens qui font des parallèles entre Gaza et l'Algérie, donc évidemment sur le colonialisme français. Voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de moments comme ça où il y a des apologies du terrorisme et donc toute une rhétorique qui tourne autour de ça. Et voilà, je trouvais ça assez édifiant, cette ligne directrice dans tout reportage. Ouais. Du coup, Pauline, toi, tu as vécu ça, ce que dit Armin, tu l'as ressenti, tu découvrais, tu étais déjà un peu au courant, est-ce que ça t'a choqué tout ça? Bah, alors, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il y ait une telle apologie décomplexée du Hamas et du terrorisme, en fait. Parce que, effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait un volet, voilà, soutien aux civils palestiniens, peut-être même des choses un peu limites. Mais alors, à ce point, en fait, c'était inimaginable pour moi. Et comme tu l'as dit, Hermine, il y avait effectivement des députés LFI qui écoutaient et qui n'y voyaient aucun inconvénient. Et oui, la question du terrorisme, elle me semble vraiment primordiale, parce que c'est pas une question qui touche que l'étranger, en fait, ça touche aussi la France. Et pour eux, la notion de terrorisme, le terrorisme ne doit plus être déshumanisé, en fait. Ils expliquent qu'on a une vision un peu diabolisée, un peu déshumanisée des terroristes à Gaza, mais aussi en France. Et il y en a certains qui, eux-mêmes, sont très complotistes, et qui vont même jusqu'à, en gros, remettre en question la véracité ou alors le côté, la version officielle, on va dire, selon eux, hein, c'est pas mon cas, mais des attentats islamistes qui ont eu lieu en France, disant que ce serait presque orchestré pour attiser la haine des musulmans, quoi. Et ça fait écho, évidemment, à certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait une espèce de dérapage là-dessus en 2022, en disant, voilà, vous verrez, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, il y aura un attentat, forcément, ouais. Ça va attiser la haine des musulmans, comme si tout cela était orchestré, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de paranoïaque et de l'ordre, ouais, presque de la justification du terrorisme, parce que pour eux, les terroristes sont des martyrs. Et pour eux, ce qui est vraiment frappant aussi, c'est qu'il faut soutenir la résistance sous toutes ses formes. Et ça, je l'ai vu très clairement, parce qu'à un moment, il y a eu la question de est-ce qu'il faut condamner ou pas les viols commis par le Hamas. Enfin, pour eux, c'était clair que non. Ouais. Mais certaines personnes, justement, avaient signé un texte qui condamnait les viols commis par le Hamas. Et ils ont dit, nous, à Urgence Palestine, on a 5 piliers, comme les 5 piliers de l'islam. Le troisième, c'est on soutient la résistance sous toutes ses formes. Et donc, le viol, c'est une forme de résistance contre l'occupant. Fou. Et il y avait des féministes dans ce groupe. Non, mais là, c'est là où on voit quelque chose que moi, j'ai relevé un petit peu en creux dans toute ton enquête. Ah, on a la déconnexion. Bon, bah c'est pas grave. On va pouvoir commenter avant que je repose la question, le temps qu'elle se reconnecte. Mais ce qu'on retrouve dans son enquête, c'est vraiment la fameuse, comment on appelle ça, tu sais, les luttes qui se regroupent, là, comment ça s'appelle déjà? L'intersectionnalité. Ouais, voilà, putain, bien joué. Bien joué, on voit que tu viens de la gauche, Armin. Hein. L'intersectionnalité. En fait, j'ai connu. Attends, tiens, allez, là, Pauline, elle retourne. Ça m'a déconnecté, je sais pas pourquoi. Pas de souci, t'inquiète. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans ton enquête, c'est que l'intersectionnalité, c'est-à-dire toutes les oppressions qui se regroupent et compagnie et qui s'additionnent, en fait, il y en a une qui reste au-dessus. C'est pas le féminisme se soumet à la question, non pas seulement islamiste, mais aussi racisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une suprématie comment dire ça ? C'est pas évident à dire, mais... Ouais, bah en fait, l'antiracisme, mais qui est en fait pas un vrai antiracisme, parce que c'est aussi la haine des Européens, hein, donc c'est compliqué d'employer ce terme-là. Mais en tout cas, la question ethnique, pour eux, c'est quelque chose, et islamique aussi, hein, c'est beaucoup plus fort que le féminisme, c'est quelque chose que tu as ressenti du coup. Bien sûr, et d'ailleurs, je le note dans mon article, c'est un des militants qui fait un parallèle, mais qui est vraiment très parlant, qui explique que s'il voit dans la rue une policière qui arrête un racisé, donc un non-blanc, qui lui aurait lancé une injure sexiste,
qu'il arrête ou qu'il le frappe. Hein. Donc la policière pourrait frapper aussi cette personne. Il va l'aider soit à fuir, soit à s'opposer à elle, même physiquement. Hein. Je ne sais plus exactement les termes qu'il emploie, mais c'était ce que ça voulait dire. Et ensuite, une fois qu'il l'aura aidé à fuir, il lui expliquera ce qu'est le féminisme. Donc il l'éduquera au féminisme. Et il explique que c'est exactement la même chose pour un antisémite colonisé. Donc voilà, en faisant le parallèle avec les Gazaouis du Hamas. Et donc effectivement, là, il y a vraiment, ça montre, c'est vraiment très révélateur de la primauté de l'antiracisme sur le féminisme dans cette convergence des luttes, qui est un peu une arnaque pour les féministes, quoi. Tiens, on a dans le chat, on a Livre Noir, je pense que c'est le vrai compte, qui nous dit parler de la rupture de l'Iftar à la dernière réunion. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup? C'est peut-être pas le vrai compte, j'en sais rien. Alors ça, je pense que c'est Eric qui envoie ce message. Ouais. Oui, en fait, c'est le fait que donc c'était assez communautaire, Urgence Palestine, il y avait pas mal de personnes musulmanes. Et donc, comme le ramadan a commencé, d'ailleurs, il y avait beaucoup de recrutement devant les mosquées, et comme le ramadan avait commencé, lors des dernières réunions que j'ai faites, on rompait le jeûne, donc on faisait l'iftar, quoi, avant de commencer les réunions. Sympa. Ouais. Et du coup, les femmes et les hommes mangeaient quand même côte à côte. Oui, tout à fait. Ok, bon, ça va. Ils avaient quand même un petit côté intersectionnalité quand même. Ah, mais c'est quand même des personnes, il y a beaucoup de personnes de gauche. Hein. C'est vraiment, moi, je pense, de l'islamo-gauchisme, il y a quand même une fusion de ces questions islamiques, ouais. Parce que c'est une cause islamique, la Palestine, pour beaucoup, et de gauche, des coloniales. Bon, alors ça, c'est quand même un point qui était super important. Alors, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. J'en ai repéré trois que j'ai notées pour poser un petit peu en fin de questionnement de notre part. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, il y a beaucoup de compliments sur ton travail, donc ça, c'est bien. Question sur les écolo-gauchistes. Ce qui est amusant dans ton travail, c'est qu'on voit qu'à la fois, bon, je vais employer un terme un peu trivial, vous me pardonnerez, mais il y a à la fois les crasseux de la ZAD et les start-upers parisiens, quoi. Et en fait, il y a deux mondes qui se cohabitent, coexistent, enfin, qui ne se regardent pas trop, parce que c'était deux entrismes différents que tu as fait. Mais c'est étonnant, ce mélange. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça ou pas, cette espèce de fossé entre deux mondes, quoi, mais qui va dans le même sens. C'est vrai qu'il y a une sorte de contraste, notamment entre Dernière Rénovation, qui sont ceux qui font les blocages de route ou qui jettent de la peinture sur des tableaux, et qui, eux, déjà sont financés par un fonds de milliardaires américains. Il y a notamment le réalisateur du film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio, qui est un film justement sur le réchauffement climatique, qui donne des millions d'euros à ce fonds. Et c'est vraiment un fonds dont, voilà, qui récolte beaucoup d'argent. Et c'est organisé, parce que Dernière Rénovation, c'est une émanation de ce fonds, mais en fait, c'est un réseau international. Et dans plusieurs pays d'Occident, il y a les mêmes collectifs qui ont les mêmes procédés, donc le blocage de route, le jet de peinture, et qui doivent aussi un peu rendre des comptes à ce fonds, parce que, par exemple, les financements, certes, ils viennent, mais en échange, il faut recruter le plus de bénévoles possible, il faut faire tant d'actions par an, ouais. Et il y a des objectifs très clairs à remplir. Donc ça, c'est un groupe très structuré, très pyramidal, où on n'a pas spécialement l'occasion de remettre en question la stratégie du groupe. Et en même temps, on a des groupes beaucoup plus anarchiques comme la ZAD. Donc moi, j'étais dans la ZAD de la 69. Et pour le coup, effectivement, c'est très différent. Et on rencontre beaucoup de personnes qui, elles, vont même de ZAD en ZAD, qui n'ont pas spécialement... donc là, je rappelle que la 69, c'est un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, et qu'il y a des gens qui s'y opposent, qui expriment que c'est un projet anachronique. Donc ça, c'est une vraie question, hein, à part entière. Mais en fait... pour empêcher que l'autoroute soit construite, il y a des zadistes qui ont investi le tracé et qui, en fait, ont investi les arbres pour empêcher qu'ils soient abattus et qui ont construit des cabanes. T'es monté, toi ? T'es monté dans un arbre, toi ? Oui, j'ai dormi dans un de ces arbres, justement. C'est énorme. Et il y avait beaucoup, voilà, j'ai rencontré beaucoup de zadistes, mais c'est presque des zadistes professionnels parce qu'ils ne connaissaient pas spécialement les raisons du pourquoi et même vraiment le projet de la 69. Quoi. Ils étaient là parce qu'ils recherchaient ce mode de vie qu'on a en ZAD, qui est un mode de vie un peu alternatif, assez spécial. Ah, mais c'est génial, tu le dis à un moment, t'expliques à un ZADiste pourquoi il est là. Le mec n'était pas là, il était là pour les bières et la bonne ambiance, quoi. Mais c'est quand même un truc. Oui, c'était un ZADiste qui me disait, mais c'est qui Pierre Fabre? Parce que Pierre Fabre, c'est une entreprise, en fait, de pharmacie, enfin, de laboratoire pharmaceutique qui est pour le projet 69. Il me dit, mais c'est qui Pierre Fabre? Je lui explique.
Et la Thalys me dit, oui, mais moi, je ne me renseigne pas assez avant de venir. C'est comme Sainte-Soline, je ne comprenais pas trop ce que c'était avant d'y aller. Mais voilà, je viens quand même. Donc, voilà. Ouais. Bon, ça c'est costaud. Hermine, si tu veux réagir un petit peu sur cette question de l'écologie, si tu veux poser des questions. Non, sur l'écologie, pas spécifiquement, mais je me demandais quand on fait une infiltration, elle a duré combien de temps exactement ton infiltration au total Bah, je dirais 6 mois, hein, pour le coup, j'ai fait énormément de rencontres. Après, je dirais que ça s'est quand même intensifié sur les 4 derniers mois où je suis vraiment rentrée dans le noyau dur des mouvements, quoi. Ok. On peut se demander quand on fait des infiltrations comme ça, qu'on est un peu en mode double jeu, est-ce qu'il y a des amitiés qui se créent parce que il peut y avoir des Oui. gens un peu paumés et puis même en dehors de ça, est-ce que parce que ma question aussi c'était est-ce que tu faisais que les choses très militantes, c'est-à-dire les réunions politiques, etc. Ou est-ce qu'en fait pour intégrer tout ça, tu étais obligé de faire aussi un petit peu de social, d'aller rencontrer Soirée, quoi. des gens, de faire 2 3 soirées ou voilà, on imagine que c'est peut-être plus dur. Ah, je vois plus Pauline, moi, mais vas-y. Si, Ah, t'inquiète, bon. Bon, pardon. j'imagine que tu peux pas juste aller au truc et à chaque fois qu'il y a autre chose, dire non, non, je viens pas, ça fait peut-être un peu suspect. Enfin, voilà, j'avais des questions par rapport à cet aspect technique. Est-ce que tu as fait des soirées punk 8-6? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Alors, bah, dans la ZAD, forcément, hein, quand on va dans une ZAD, on est à fond dedans, quoi. C'est vraiment un autre univers. Donc, évidemment, j'y suis allée. J'ai dormi là-bas, donc oui, on a fait un apéro autour d'un feu de camp. Et après, on a été, en gros, il y a des vigiles parce que la ZAD était en face d'une carrière. Sauf que les zadistes passaient leur temps à aller voler des choses dans cette carrière. Donc la carrière avait embauché des vigiles de nuit. Donc les vigiles sont arrivés, ça a commencé à se friter un peu avec les zadistes. Et donc là, on m'a dit, il faut courir, protéger les arbres. Donc je suis montée dans un arbre et j'ai dormi dedans. Et donc je suis montée, c'était un peu effrayant parce que les cordages étaient un peu usés, les baudriers aussi. Moi, je ne savais pas d'où ça venait, donc la cabane était quand même à 6-7 mètres, donc c'était pas non plus très rassurant. Et donc, c'est sûr que dans ce genre de situation, on doit s'engager à 100%. Après, d'une manière générale, moi, j'ai quand même tenu à garder des limites, c'est-à-dire que je ne suis pas allée prendre un verre avec quelqu'un pour lui soutirer des informations, j'ai pas voulu devenir amie avec des gens pour ça. Ça, c'est des limites personnelles, mais je suis quand même restée, en fait, je me suis mise dans la peau d'une militante. Mais j'ai pas essayé de me faire spécialement des amis parce que c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire, je pense, qui aurait été. Je me serais pas sentie vraiment en phase avec moi-même si j'avais fait ça, en fait. Ouais, on peut comprendre que c'est pas forcément moral, mais est-ce que t'es pas obligé, tu vois, est-ce que ça fait pas suspect de toujours esquiver les trucs sans forcément y aller pour, tu vois, saisir des infos, mais juste être un peu obligé d'être présente Après, j'étais présente, non, à des moments un peu conviviaux, mais j'allais pas, enfin, je me suis pas Ouais, pas liée d'amitié spécifiquement. spécialement avec certaines personnes, mais oui, j'étais quand même Ok. sympathique. Ok. Ouais, on peut passer direct à cette question-là. On pourra revenir ensuite, notamment sur ton enquête sur les assos pour migrants, qui est édifiante, elle aussi. Mais c'est vrai que c'est une question que je voulais poser et qui a été posée dans le chat par Guigui. Je lis vos questions, je les mets de côté quand elles sont pertinentes. Là, tu t'es quand même fait des amis, j'imagine. Les gens ne sont pas des salauds parce qu'ils sont de gauche. Sont pour la plupart des gens bien qui croient sincèrement être du bon côté de l'histoire. Ils sont pas là à se dire je veux détruire la France. Enfin, peut-être si, peut-être, j'en sais rien. Bon, mais du coup, les gens étaient quand même sans doute très sympas. Est-ce que tu t'es senti mal parfois d'enquêter sur eux? Est-ce que tu n'avais pas l'impression de les trahir? Comment tu as vécu cette double vie qui devait être quand même difficile, je pense, à vivre? Il y avait des personnes qui étaient très sympathiques, effectivement, et qui étaient très sincères dans leur engagement. Voilà, après moi, quand j'ai aussi écrit mes enquêtes, j'ai pas parlé du militant lambda, très sympa, que j'ai côtoyé et avec qui et qui n'avait pas spécialement. Enfin, après, ils suivaient en fait forcément les positions extrêmes et ils les remettaient pas en question non plus, hein. C'est juste que voilà, c'était pas des personnes qui étaient les leaders et qui donnait le la dans ces groupes. Moi, je me suis concentrée sur les personnes bah, qui étaient vraiment actives et qui menaient les groupes lors de l'écriture. Mais oui, effectivement, il y a des personnes très sympathiques. Et après, en fait, j'ai beaucoup réfléchi aussi quand j'ai écrit. J'ai réfléchi et je me suis dit, il y a des choses que j'écris, je dois faire. Enfin, en gros, je dois arbitrer. Est-ce que c'est des choses qui sont importantes à dire, importantes et que le public devrait savoir?
Ou est-ce que c'est des choses qui sont là juste pour embêter les gens? Et moi, j'ai vraiment choisi que les informations qui me semblaient vraiment importantes et pertinentes. Et je pense que pour Urgence Palestine, c'était vraiment édifiant parce que c'est voir vraiment ce qui se cache derrière la vitrine de ces collectifs. Et ça me semblait plus important que le reste, quoi. Et je pense qu'on va parler aussi des collectifs de sans-papiers, leur méthode. Bien qu'il y avait des militants qui étaient très sympathiques dans ces groupes, hein, ça ne l'empêche pas. Mais ce sont des méthodes qui sont questionnables et qui sont, enfin, auxquelles moi je ne m'attendais pas. Hein. Ouais, Et bah puis, vas-y, vas-y, pardon, j'ai vas-y. une toute petite question qui m'intéresse, parce qu'en fait, j'ai sous les yeux, quelqu'un m'a envoyé un message envoyé par quelqu'un sur un groupe qui est oui, IL sont nos martyrs, en parlant évidemment des membres du Hamas. Et IL me fait mourir de rire, mais ça m'amène à une question. En fait, je me demandais si toi, tu avais quelque chose à dire aussi de l'expérience en tant que jeune femme. Dans les mouvements comme Urgence Palestine, parce qu'il me semble que tu parles de Elias Inzalen, je ne sais plus exactement son nom, enfin c'est un nom à coucher dehors, mais qui sont quand même des musulmans très 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 radicaux, très extrémistes, et je pense que l'ambiance, pour avoir un peu connu quand même les, pas de près pour le coup, mais voilà, je sais qu'à gauche, il y a pas mal de gens qui sont un peu comme ça, qui sont des gens. Enfin, de gauche par opportunisme, mais qui sont très radicaux sur des choses. Tu peux en parler un peu en tant que jeune militante femme dans ces trucs-là particulièrement, pas forcément chez les écolos, mais est-ce qu'il y a des choses un peu à dire? Il y avait peut-être des histoires aussi parfois Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des rumeurs qui circulaient dans les groupes sur le comportement que pouvaient avoir certains hommes. Après, ça reste des rumeurs dont j'ai pas pu croiser les informations, donc je pourrais pas dire et je pourrais pas dire voilà c'est vrai, c'est faux, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Et puis chacun aussi, ce qui était très intéressant justement avec Urgence Palestine, c'est que chacun était un peu dans son petit lobbying. Et donc voilà, tu parlais du militant islamiste. Alors lui, ce qui était marrant, c'est qu'il disait bon, ce serait bien que les féministes, elles fassent un peu leur boulot en expliquant que la Palestine, c'est une cause féministe. Alors que bon, cette personne-là n'est absolument pas féministe. Mais en fait, chacun, enfin en tout cas lui, mettait quand même de l'eau dans son vin de cette manière et il se rendait compte que c'était un bon appui d'avoir des féministes à ses côtés en France. Quand on dit qu'une cause est féministe, forcément, ça lui donne un côté respectable. Et il en avait tout à fait conscience et ça ne le dérangeait pas du tout de côtoyer ces féministes là et qu'elles travaillent pour lui en fait. Moi, franchement, c'est passionnant. Ça a dû être une expérience de dingue, vraiment. Alors, j'ai des petites questions. On t'a encore un peu de temps ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, Mais super. On va essayer de ne pas exploser les compteurs, mais c'est super intéressant. Donc, il y a pas mal de petites questions du chat que j'ai trouvées super. Donc, je les ai reprises avant d'aller sur les assauts immigrationnistes. Mais alors, faire toutes ces assauts, c'est Pierre qui pose la question. Faire infiltrer toutes ces associations, parce qu'on a fait infiltrer un paquet, est-ce des toutes prévues ou ça s'est fait au fil de l'eau pour certaines? alors, bah c'est très intéressant et c'est vraiment fait au fil de l'eau. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance aussi d'avoir la confiance de Eric et de mon équipe et d'avoir été aussi accompagnée par le rédacteur en chef, Jules Laurent, qui m'a vraiment aiguillée. Parce que, en fait, moi, j'étais un peu un poisson pilote dans cette histoire. J'allais dans des groupes, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et en fait, j'avais beaucoup de pistes au début de cette enquête. Et finalement, j'ai suivi les rencontres que j'ai faites, les opportunités, et c'était parfois vraiment très intuitif en fait. Et ce qui m'a aidé, donc ça, ce que j'explique, c'est ce qui m'a aidé, c'est quand même la convergence des luttes, mine de rien, qui m'a permis aussi de naviguer d'un collectif à l'autre. Mais non, au début, j'avais pas du tout de plan d'attaque. Enfin, évidemment, j'avais des associations dans le viseur, mais je me suis aussi laissée emporter par l'expérience. Et c'est pour ça, je pense que c'était intéressant. C'est vivre une expérience comme une militante et tracer, aller dans les chemins en fait, que pourrait emprunter cette militante un peu classique d'extrême gauche qui découvre ce monde-là. Ouais, question basique que le chat n'a pas posée, je suis un peu étonné, mais je vais la poser. Tu n'as pas, on dit souvent qu'on a le physique de ses idées. C'est faux, mais c'est quand même tendanciellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc comme ça. Quand on te voit sur les photos en pleine infiltration, c'est la photo qui est sur la vignette de cette vidéo. On te voit au milieu d'une foule. C'est celle-ci qu'on voit là. Je vais la mettre comme ça.
On te voit donc ici. Hop là, non, c'est pas toi ici, c'est là. Tu es là. Voilà, je vais y arriver. Tu fais quand même pas nana de gauche, objectivement, physiquement, vestimentairement. Est-ce que ça t'a pas, ça n'a pas éveillé les soupçons? Bah, je dirais pas, enfin, je pense que bah, déjà je me suis habillée d'une manière très simple et je pense pas que j'avais l'air du tout d'être une personne qui soit pas de gauche ou qui soit de droite. Et non, j'ai pas du tout éveillé les soupçons sur ma tenue Ok. vestimentaire. Après, il y avait beaucoup en fait de dans ces groupes, il y a toujours des jeunes étudiantes qui ont un peu mon profil, qui Ouais, sont c'est vrai. assez discrètes. Et c'était un peu ce rôle-là que j'avais et j'en ai rencontré des jeunes femmes comme ça. Et non, justement, je pense que c'est un profil qui attire très peu l'attention, pour le coup, des jeunes femmes, étudiantes et qui sont simples, quoi. C'est vrai, non, mais en fait, à Paris, ça interpellait sans doute pas. T'as raison, c'est bien, c'est une bonne réponse. Par contre, sur la ZAD, ça devait quand même être plus. Tu devais plus faire tâche, non? Bah, j'ai mis un bon jogging et puis je suis arrivée sur mon vélo, hein. Moi, j'ai pédalé pendant 1 heure pour arriver à la ZAD déjà et j'avais un sac à dos. Ah oui, et puis sous la pluie, j'avais un sac à dos. Je suis arrivée dans Ouais. la boue avec des bottes de jardinier et au bout d'1 heure, j'avais déjà les chaussures toutes sales, donc je me suis assez vite fondue dans le décor. Bon, ok. Bon, il y a d'autres questions du chat, je les pose. On va essayer peut-être de répondre pas trop en longueur. Premièrement, est-ce que quelqu'un, c'est Avanek qui pose la question, quelqu'un t'a-t-il suspecté à un moment? Donc c'était peut-être sur la fin, mais peut-être autrement, tu vois. Et si oui, comment tu t'es défendu si ça t'est arrivé? Non, j'ai pas été Ok. spécialement suspectée. Non, non, j'ai vu des gens se faire suspecter, mais moi je ne l'ai pas été, donc voilà. Superbe. Bravo. Bravo, c'est bien fait. Autre question. Wallace qui nous demande, est-ce que tu as pu échanger un peu avec les gens sur leur cheminement idéologique et politique, comment ils en sont arrivés à ces groupes finalement quand même très radicaux? Est-ce que tu as pu voir un portrait type ou alors est-ce que c'était très varié? Alors, c'était assez varié. Pour le coup, dans la ZAD, j'ai pu quand même un peu échanger avec des personnes qui me disaient que voilà, ça faisait très longtemps qu'elles se posaient des questions et qu'elles avaient voulu franchir le pas de vivre un monde un peu alternatif. Donc, des personnes qui étaient vraiment en recherche d'utopie. J'ai rencontré notamment un étudiant qui avait fait de l'histoire et qui un jour, voilà, a un peu tout plaqué et décidé de vivre en ZAD. Et il me disait d'ailleurs, c'est ma première ZAD, donc il comptait quand même en faire d'autres. Et puis sinon j'ai vu en fait c'est plutôt des profils un peu sociologiques que j'ai observé qui étaient un peu récurrents, notamment par exemple chez les féministes, il y avait beaucoup de jeunes étudiantes à la faculté, des étudiantes en histoire du genre, des étudiantes aussi en art appliqué, en graphisme, tout ce qui relevait un peu de l'art ou des sciences sociales était très représenté, beaucoup de jeunes femmes dans ces domaines-là. Voilà, et puis ensuite, évidemment, des militants, beaucoup pour le coup musulmans chez Urgence Palestine. Et bon, là, c'est un peu la convergence des luttes, mais si je reviens sur le côté un peu islamiste, il y avait ces militants en fait qui sont là pour propager bah, l'islamisme dans la société et qui luttent contre l'islamophobie et qui, eux, considèrent que la Palestine, c'est une lutte de la Oumma, donc de la patrie musulmane, qu'il faut porter aussi en France. Donc c'est des profils extrêmement variés et les causes, je pense, de l'engagement le sont tout autant. Ok, double question de Nekfeu et Rachel. As-tu eu des doutes sur tes opinions politiques pendant cette infiltration? Et est-ce que tu as trouvé des choses positives dans ces groupes? Alors, est-ce que j'ai eu C'est des bien sûr que doutes tu as des opinions politiques, hein. Je pose la question en me disant que tu n'es peut-être pas totalement d'extrême gauche, mais je ne veux pas préjuger non plus. Alors des doutes j'en ai tous les jours mais après moi j'ai quand même essayé de faire un travail de journaliste donc effectivement je me suis posé tout un tas de questions hein. C'est des expériences très fortes qui font qu'on réfléchit et c'est ça qui est aussi très intéressant. Après moi j'ai essayé de faire un travail factuel et j'ai oublié la deuxième question. Ah, c'est bah, est-ce que tu as est-ce que Ah, est-ce que j'ai tu passé des bons moments? ouais est-ce que tu as trouvé des bonnes choses au-delà des bons moments? Alors ça, la soirée je rêve partie 8-6 dans la ZAD, c'était sans doute un bon moment, mais au-delà de ces moments de camaraderie qui ont dû exister, est-ce que tu as trouvé des belles choses quand même dans ces mouvements-là, peut-être attiré quand même?
C'est une bonne question. Moi, j'ai passé. Franchement, en fait, c'est difficile de passer des très bons moments quand on est en infiltration, qu'on est concentré et que voilà, on essaye d'enregistrer en même temps. Enfin, quand on a toujours un petit peu peur, quand on a toujours un peu d'appréhension, c'est difficile de passer des bons moments. Donc, je dirais pas que j'ai passé de très bons moments. Après, il y avait des moments de détente, donc c'était pas forcément désagréable, mais non, j'ai pas passé des super moments. Et dans les choses qui m'ont touchée aussi, c'est toujours quand même les associations immigrationnistes, parce que même si leurs méthodes sont vraiment plus que douteuses, ça reste quand même une expérience humaine où on est confronté voilà, à des personnes qui, elles aussi, ont vécu la misère humaine. Et cette misère, elle est exploitée par ces associations et ces collectifs. Et donc, pour le coup, c'est une expérience humaine qui est touchante, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce que tu as. Ah bah, on va pas pouvoir en parler puisqu'il y a des connexions. On va voir. Attends, elle s'est reconnectée direct normalement. Donc, on va pouvoir la rajouter. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de ce que tu as découvert? Et là, c'est assez costaud donc, sur ces assauts immigrationnistes, leur Ouais, méthode. excusez-moi. Excusez-moi, ça a coupé. Ça a coupé? Est-ce que vous... Ouais, bon, vous m'entendez, mais de toute façon, je pense que j'ai compris la question. Ouais, c'est en gros, est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as découvert? Tout à fait. Alors, bon, comme je disais, Utopia 56, d'une part, il y avait le fait que les MNA n'étaient pas vraiment des MNA, et en fait, on allait les chercher après leur entretien d'évaluation, une fois qu'ils avaient été refusés, et on leur disait, venez avec nous, on va s'occuper de vous, on va vous faire faire un recours. Dans 80% des cas, ça marche, donc suivez-nous, on vous emmène. Et donc c'est comme ça que l'association Utopia 56 prenait ces personnes-là sous son aile et ensuite leur faisait faire des grandes manifestations, des grands happenings. Par exemple, il y en a eu devant le Conseil d'État où elle a Ouais. emmené, bon, je dirais quand même au moins une centaine de MNA, mais j'ai plus les chiffres exacts en tête, avec des tentes devant le Conseil d'État. Et ensuite les tentes ont été confisquées. Enfin voilà, ça a été assez compliqué. Et puis, évidemment, le fait de faire manifester les familles devant l'hôtel de ville pour demander de l'hébergement. Donc, les migrants, on peut les aider, mais en même temps, il reste un moyen, en fait. Il reste une masse de manœuvres qui aide à servir un agenda politique dont l'objectif est quand même de détruire les frontières et quand même une déstabilisation de notre pays, mine Ouais. de rien. Et en tout cas, un agenda politique d'extrême gauche. Et donc là, j'ai continué cette infiltration en intégrant un collectif de sans-papiers, donc collectif de sans-papiers du 20e arrondissement. Et j'ai constaté des méthodes similaires, mais qui allaient quand même assez loin, c'est-à-dire qu'en fait, les sans-papiers donc, sont aidés par les militants. Les militants s'appellent eux-mêmes des soutiens aux sans-papiers pour montrer que voilà, ils ne sont pas la partie la plus importante du collectif. Mais bon, la réalité, c'est quand même que ces soutiens. Disent aux clandestins, pardon, on va vous aider à être régularisés, mais en échange, il faut que vous alliez en manifestation. Et pour être sûr que les clandestins vont bien en manifestation et qu'ils méritent d'être aidés à être régularisés, bah, ils les font pointer. Donc à chaque manifestation, ils inscrivent leur nom sur un carnet et ensuite ils le rentrent dans un tableau Excel. Et donc c'est un tableau, un fichier nominatif avec le nom, l'origine, le lieu de résidence du clandestin. Et le nombre de fois où il a pointé en manifestation. Et il y a marqué d'ailleurs, a-t-il pointé oui ou non? Donc c'est quand même assez édifiant Hermine, comme méthode. Hermine, peut-être juste ta réaction là-dessus, c'est complètement dingue. Je n'étais pas au courant de ça, moi, avant ce reportage. Moi, alors, pour le coup, ça, j'étais pas au courant non plus. C'est marrant, il y a vraiment des screenshots, je crois, des tableaux Excel avec les trucs. Donc, encore une fois, les liens en détail, parce qu'il y a vraiment plein de petites choses comme ça. Mais. En fait, pendant que tu parlais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à des tweets de gauchistes, mais vraiment de sales gauchistes, qui font pleurer dans les chaumières 24 heures sur 24. Et notamment, récemment, il y a eu un tweet, oui, alors c'est pas forcément sur là ce que tu décris avec des hommes pseudo-mineurs non accompagnés, mais oui, voici X, 9 mois, qui va dormir devant l'hôtel de ville ce soir, voici telle personne, etc. Les mises en scène pas possibles qu'on nous fait pour récolter de l'atermoiement et pour voilà. Et en fait, le cynisme d'imaginer que assez régulièrement derrière tout ça, si ce n'est à chaque fois, il y a une manipulation de ces personnes
Alors pas pour les dédouaner, elles, de ce qu'elles ont fait. Un clandestin, c'est quelqu'un qui rentre de manière illégale sur le territoire ou quelqu'un qui reste de manière illégale. Donc ce n'est pas des personnes que je voudrais dédouaner de leur responsabilité. Mais le cynisme monstrueux des sales gauchistes, en fait, qui postent ces choses-là pour émouvoir le natif gaulle. Et récolter des larmes, et récolter des lois ensuite, et récolter des dons, et récolter ce genre de choses, en sachant très bien que c'est lui qui a forcé le fameux MNA fake à venir dormir sous la flotte devant l'hôtel de ville en faisant du chantage ensuite au repas chaud, du chantage à l'aide juridique, du chantage à. Mais c'est. En fait, c'est un niveau de cynisme. Oui. D'autant plus que c'est quand même des personnes de gauche qui passent leur temps à parler de rapports de domination, qu'il faut interroger les rapports entre les hommes et les femmes, mais quand eux, en fait, ils emploient ces méthodes pour mener, enfin, pour manipuler comme bon leur semble des clandestins qui, par définition, en fait, sont dépendants d'eux et espèrent beaucoup de choses d'eux, ça ne les dérange pas du tout et ils le remettent pas du tout en question, quoi. On pourrait jamais faire ça, nous, tu vois, Nicolas. Ouais, mais On c'est pourrait jamais, dégueulasse en fait, l'immonde. on pourrait jamais en fait aller, je sais pas, sur des sujets qui nous émeuvent. On pourrait jamais aller chercher les parents de victimes et pleurer et en fait de manière hyper cynique comme ça les mettre en scène. Enfin, c'est quand même délirant. Et puis il y a quelqu'un qui dit effectivement c'est de la traite d'êtres humains, mais c'est littéralement ça, c'est la traite Ouais. d'êtres humains. Et quand on a des putains de Cédric Herrou qui viennent nous donner des leçons, faut toujours imaginer que derrière il y a cette forme de cynisme en fait. Et c'est délirant. Bah, c'est génial d'en avoir la preuve parce que ça fait des années qu'on le dit, mais. Non, c'est vraiment un truc de fou. Je sais que sur Livre Noir, vous avez fait des petits formats, enfin des formats de 10 minutes à peu près, où tu expliques justement face caméra tout ça. Donc je vous encourage à aller voir pour avoir plus d'infos. Mais c'est édifiant, tout simplement, cette enquête. Et on voit qu'effectivement, c'est dans la manipulation pure, pardon. Et c'est de l'utilitarisme, quoi. Ils utilisent les migrants, les sans-papiers, qui d'ailleurs, pour beaucoup, étaient favorables à la loi Darmanin, en se disant, bah, via l'article 17, je crois, je vais pouvoir avoir une régularisation plus facile. Et les gauchistes ont tout fait pour leur dire, non, surtout pas, si vous dites publiquement que vous êtes pour ça, vous ne pourrez plus compter sur notre aide et compagnie. Enfin, c'est abominable, ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment dingue. En tout cas, c'est une excellente enquête qui est saluée dans le chat à longueur de message. Peut-être pour continuer un peu et conclure, c'est une question qui est quand même fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui les associations ont réagi, les associations que tu avais infiltrées? Est-ce que tu as des gens qui t'ont contacté directement en privé? Est-ce ils t'ont contacté en public? Est-ce que tu as eu des menaces? Comment ça se passe? Oui, alors je vous réponds. Effectivement, j'ai eu, on m'a contacté. Bon, déjà, j'ai été exclue de tous les groupes Signal d'un coup Normal. quand le magazine est sorti. Mais bon, ça, on pouvait s'en douter. J'ai été éjectée. Ensuite, il y a une réaction d'Urgence Palestine qui a fait une vidéo un peu ironique, voilà, où ils ont mis en scène Abrech Frères, donc pas le vrai Abrech Frères, mais où ils ont expliqué Pauline a infiltré Urgence Palestine. Elle s'est rendue compte que c'était un groupe démocratique. Décolonial, tout ce qu'il y a de plus sympathique et de plus normal. Ensuite, non, pour les autres, enfin, pour les groupes de ZAD, j'ai vu qu'il y avait eu des réactions dans les books Signal avant de me faire éjecter. Il y a quand même eu des réactions où on parlait de mon infiltration et je me faisais un peu insulter, mais bon, voilà. Et puis, effectivement, mon numéro de téléphone, donc, que j'ai utilisé hein, spécialement pour l'infiltration, a beaucoup tourné dans des groupes Twitter, dans des groupes WhatsApp, et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler très prochainement. Et puis, bah, ça m'a valu des coups de fil avec des menaces laissées sur mon répondeur. Donc évidemment, j'ai porté plainte contre ces personnes. Et voilà. Plutôt des profils différents. Enfin, les profils qui te menacent de mort. Tu notes qu'il y a des associations peut-être parce que tu as fait les écolos, les féministes, les machins. Et puis, tu notes qu'il y a des profils qui le prennent un peu plus, de manière un peu plus énervée ou. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt des jeunes de Marseille ou de banlieue qui m'appellent parce qu'ils sont tombés sur mon numéro de téléphone pour me faire des menaces que des personnes que moi je connais ou que j'ai côtoyées dans ces groupes militants. Je pense que c'est des personnes qui ont vu mon numéro de téléphone et qui se sont dit c'est bon, on va la menacer, on va en profiter et puis voilà. D'accord. Des jeunes de Ouais. Marseille écolo, quoi.
Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Bon, est-ce que tu as des regrets peut-être sur cette infiltration, des choses que tu aurais fait différemment, je sais pas, ton regard Ah un peu bah sur moi cette j'aurais pu expérience? je pense que j'aurais pu continuer, mais bon après il fallait faire les magazines, mais c'était tellement passionnant que j'aurais pu continuer longtemps. Après c'était quand même éprouvant, donc je pense qu'à un moment il fallait qu'il y ait une coupure un jour ou l'autre, mais non, moi j'ai pas de regrets et au contraire. Ok, non, bah écoute, intéressant. Hermine, si tu veux conclure un petit peu là-dessus. Non, qu'en est-il de ta sécurité aujourd'hui? Est-ce que ça va? Enfin, je veux dire, voilà, quelles sont un peu les conséquences pour toi, s'il y en a? Bah, on a justement pris des mesures hein, pour ma sécurité et j'ai porté plainte pour les menaces que j'ai reçues. Donc voilà, on fait attention, on surveille de très près. Je suis assez bien entourée, donc j'en suis contente. Et puis pour la suite, on verra aussi, on avisera en fonction. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Ah bah, Mais c'est parfait parce qu'on arrive à la conclusion. Donc merci mille fois, Pauline, d'avoir été là pour nous répondre. C'était vraiment passionnant. Bravo encore à toi pour cette enquête disponible dans le troisième numéro du magazine Livre Noir dans tous les marchands de journaux pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, bah, écoute, merci à toi pour ta présence. C'était top. merci, merci Et de au m'avoir plaisir reçu de et plus te merci pour voir. vos questions et ça m'a fait plaisir de voir que vous avez lu attentivement le mag et d'ailleurs j'invite tout le monde à se le procurer. Merci. Ouais. Super. Salut, Pauline. À la prochaine. À la prochaine. Bon, génial, non? Incroyable. Franchement. Incroyable. Même Mediapart ne fait pas ça. Hein. Ouais, c'est costaud, hein. Même Mais Mediapart après. ne fait pas ça. Même Street Press ne fait pas ça. Enfin, c'est Non, non, incroyable. c'est assez costaud. Il n'y a rien à dire. C'était un gros travail. Et sur Urgence Palestine, il y a quand même on peut conclure là-dessus, hein, une conséquence, c'est que Julien Odoul, député Rassemblement National, a demandé la dissolution d'Urgence Palestine. Et c'est le moins qu'on puisse dire, franchement, c'est une association, c'est un groupement de fait qui est délirant. Et non seulement il devrait être dissous, si tant est que c'est une importance, mais surtout les gens qui sont dans ce collectif doivent être sévèrement punis, à mon avis, pour certains de ces propos, et pourraient être expulsés s'ils sont expulsables. Par exemple, s'il y a des doubles nationalités qui traînent, des choses comme ça. Voilà. Oui, c'est improbable, je pense. C'est improbable. Bah, dans un pays normal, ces gens-là seraient expulsés. Hein. Véridique. Mais bon, après, Je pense voilà. qu'il y a peu de chances pour qu'ils aient des doubles nationalités, hein. Ce serait vraiment commettre Ah non. Ah non, bah non, mais un oui. grand outrage de Impossible. dire ça. Impossible. Je ne pense pas. Ça n'existe pas. Allez, écoute, on va finir sur du positif, les amis. On va essayer de faire moins de 2 heures. Donc, il nous reste 10 minutes. T'es partant, Termine? Yes. On va regarder du positif. Vous le savez, nouvelle vague, ça vous montre à la fois la nouvelle vague de la droite qui arrive, c'est-à-dire Ah les oui, on va gens parler les choses. Donc, des il y a associations. Hermine, bien sûr, qui est là. Je suis là autant que je peux. On a pu voir des initiatives sympas. Voilà, on a pu voir le travail de Pauline Condomine. Donc, ça, c'est super. Et on va essayer de finir sur quelque chose de positif. Je vous le dis, vous êtes plus près de 800. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous pouvez vous abonner à mon espace premium. Vous avez tout en description. Vous pouvez vous abonner à Ideoshock, nouveau partenaire Sunrise. Vous pouvez commander sur la nouvelle librairie des ouvrages. Et puis, bah, écoutez, on est parti sur du positif. Mais on va se marrer, les amis. Enfin, on va se marrer. Non, on va être enthousiasmé dans un premier temps, parce qu'on va parler de la flamme olympique. Alors, la flamme olympique, nous, on était restés sur la période française, mais notre pays n'est heureusement pas le seul pays qui s'occupe de cette cérémonie, puisque la flamme olympique s'est allumée aujourd'hui même à Olympie. Donc, on est en Grèce, berceau de la civilisation européenne et berceau du monde moderne. Hein. Et regardez, c'était mon petit commentaire, on est très loin d'Aya Nakamura. On est très loin du débile mental qui va porter la flamme parce qu'il y a quelques années, il avait fait le buzz en mettant le feu à sa chambre. Ces images, qu'est-ce qu'elles t'inspirent, Hermine? Je viens de les voir, elles sont incroyables. En plus, il y a un espèce de côté un peu moderne dans le look. Enfin, c'est vraiment, c'est archéo-futuriste, quoi. C'est génial. J'adore. Donc là, c'est vraiment magnifique. Et voilà, ça nous montre ce que pourrait être en fait le monde d'aujourd'hui. On n'a pas besoin, alors on peut être un peu moderne, bien entendu, mais on n'a pas besoin de mettre du rap en fait. On n'a pas besoin de mettre Aya Nakamura. On a tout ce qu'il nous faut chez nous, dans notre belle civilisation européenne. Il n'y a pas de raison, si la Grèce le fait, on doit être capable. On doit être capable de le faire, voilà. Et je crois que c'était un commentaire de Laurent Berton qui disait, quand on voit le départ de cette flamme, son allumage et bah, ce qui va là où elle va arriver et comment elle va arriver en France,
ça fait un peu mal, franchement, de voir ça. Voilà, alors Hermine nous a quittés, mais va revenir, pas d'inquiétude. Mais c'est vraiment une... vraiment un truc de fou. Mais alors, mon tweet a bien marché là-dessus. J'ai fait un gros tweet. Mais c'est quand on voit le gouffre civilisationnel entre... Voilà, vous voyez le bol un peu grec, la cérémonie, mais c'était... Ah, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Et nous, à l'arrivée, on va avoir une cérémonie déconstruite avec le metteur en scène qui annonce quelque chose de révolutionnaire et compagnie. Bon, c'est vraiment... En fait, c'est rageant parce que, voilà, on serait capable de faire ça aussi. En France, on a des super belles choses à faire. Voilà, en plus, on remarquera, et vous le notez dans les commentaires, on est entre Européens ici. Voilà, il n'y a pas de diversité. Hein. Il y a juste les Européens autochtones, quoi. Mungus qui dit c'est solennel et sobre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, en fait. C'est les Jeux Olympiques. Ce n'est pas, pas un festival, en fait. On veut justement du solennel et du sobre. Bref, donc voilà la belle histoire. Alors il s'est passé des choses en Australie, et ça, Hermine, ça va te plaire, on va conclure là-dessus. Avec un acte terroriste, enfin terroriste, c'était pas un terroriste, c'était un mec à moitié fou a priori, ce qui est quand même très rare, donc ça arrive, on avait vraiment quelqu'un qui n'était peut-être pas un extra-européen, mais qui était ravagé par le gauchisme, à mon avis, et par les actes islamistes en tant qu'inspiration au minimum. Et on voit le visage d'un héros français, ton regard sur cet acte de courage, de bravoure. Bah déjà, évidemment, cet acte était absolument effroyable. Il a visé des gens dans un centre commercial, et notamment une mère et son jeune enfant. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles du bébé, hein. C'est vraiment un bébé, je crois qu'il a 9 mois, enfin quelque chose comme ça. Mais la mère est décédée en protégeant son enfant, elle a donné son enfant aux passants, etc. Enfin, quelque chose d'absolument abominable, donc déjà j'aurais quand même avoir un mot pour ça. Et effectivement, on a vu sur la vidéo un homme qui repousse, il y a une vidéo qui circule où c'est un homme qui repousse en haut d'un escalator le terroriste. Enfin non, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas un terroriste, parce qu'un terroriste, la définition du terrorisme, c'est un acte de terreur qui est politique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de revendication, c'est vraiment juste un pour le coup, ce qu'on appelle souvent un déséquilibré à tort. Ouais. Ça, c'est vraiment un déséquilibré. Mais il a peut-être été inspiré quand même par la méthode islamiste malgré tout, hein. Ah ouais, ah, j'ai pas vu. Non mais j'en sais rien, mais ça, enfin pour moi, d'attaque au couteau sur des bébés, je suis désolé, c'est un peu le modus operandi des islamistes. Oui, alors après, ouais, non mais alors faisons pas, voilà, c'est. Non mais je suppute. Je peux présumer, mais en tout cas, dans les faits, pour le moment, il n'y a pas de revendication et d'inspiration revendiquée de sa part, donc ça rentre pas totalement dans la catégorie du terrorisme, mais même si on peut avoir des idées. Mais effectivement, donc on voit cet homme, et en fait, bon, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a circulé un peu avant que l'info sorte officiellement, où on entend en fait un mec crier derrière. Vas-y, tue-le, ou un truc comme ça. Et du coup, assez vite, je me suis dit, mais en fait, c'est un Français, le mec qui est en train de le repousser. Mmh. Et effectivement, ça me touche un peu particulièrement, parce que moi, j'ai vécu à Sydney, dans la communauté d'expats à Sydney. Et donc, je ne connais pas du tout hein, le mec en question, je ne voudrais pas du tout ramener ça à moi, mais forcément, je suis un peu touchée par la chose. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir quand on a des héros, comme on avait eu avec Henri à Annecy. Et c'est quand même, je trouve, bonne manière de répondre aux gens qui disent oui, quand il y a un couteau, vous en mêlez pas. Voilà, il y a quelqu'un qui poignarde des bébés, quand il y a un couteau, faut agir quand même, et ça fera de bons héros. Faut agir, même si c'est évidemment pas facile d'agir face à un couteau, bien entendu. Le but, c'est de faire gaffe quand même. Oui, on peut faire diversion, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. C'est ce qu'avait fait Henri finalement. Il avait tourné autour du mec, en fait. Ouais, et puis le mec, je crois, fait ça aussi. Hein. Ah ouais. Bon, pour conclure, on reste en Australie. Il y a eu, là, pour le coup, un acte terroriste. Heureusement, le prêtre s'en est plutôt bien sorti. Mais ce qu'on voit, c'est la réaction des fidèles. Alors, je crois que c'est une église orthodoxe, où là, ils réclament, les fidèles, en dehors de l'église, que le type soit livré à la foule pour qu'il y ait eu peut-être une première punition qui soit portée, même si, évidemment, le lynchage, ce n'est pas une très bonne chose. C'est un signe de vitalité quand même, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ce n'est pas une bonne chose. J'ai vu un truc passer, je sais pas du tout si c'est faux, j'ai pas eu de vérifier la news, mais j'ai vu un truc passer sur le fait qu'il aurait éventuellement eu les doigts coupés. Vraiment, prenez ça avec beaucoup de mesures, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ce truc là passer sur le fait que les fidèles lui auraient coupé les 4 doigts après l'avoir arrêté. Il me semble qu'il y a 2 choses quand même à dire, c'est que ce prêtre avait parlé du prophète, et que c'est pour cette raison que cette espèce de vermine l'a attaqué.
Et heureusement, je crois la rater. Ah ouais, mais attends, dans le chat, on me dit qu'il est entre la vie et la mort. Attends, je vais vérifier ça, je veux pas l'air de connaître. Ah, moi, j'ai vu l'inverse comme information, mais tu vois, comme quoi, ah, parfois, ouais, les infos peuvent changer. Moi, j'ai vu qu'il avait des non-life threatening injuries, mais bon. Ouais, bon, on va suivre ça. Mais bon, en tout cas, ça aurait pu être pire, il aurait pu mourir directement, quoi. Ouais. Et l'attaque est filmée en plus, donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Grand soutien à ce prêtre, et on voit que la grande écrasante majorité très modérée se manifeste partout dans le monde occidental et non occidental. Mais en tout cas, c'est sympa de voir cette... Même si, voilà, le lynchage, je répète, c'est vraiment pas une bonne chose, je trouve, même face à des ennemis de l'Europe, même si, bon, je vais pas condamner plus fermement que ça. Je condamne fermement quand même, bien entendu. Mais en tout cas, rien que là, c'est une pulsion de vitalité qui s'exprime, en fait, et je trouve ça positif. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Hermine, on va essayer de faire moins de 2 heures, donc on va s'arrêter tout de suite. Merci à toi d'avoir été là avec nous. Merci à tous d'avoir été nombreux pour cette émission qui était très, très costaud. Il y avait beaucoup de choses. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous pouvez le faire en description. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, Hermine, un plaisir, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Ça marche. À la prochaine. Bonne soirée. Allez, salut tout le monde. Salut.